السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم dans ce salon en cette soirée du premier Dhul Hijjah 1428, c'est-à-dire le 10 décembre 2007 بإذنه عز وجل. Vous savez que normalement, aujourd'hui, on est le 30 d'Ul-Qa'da. Et qu'il y a seulement à peu près une heure que l'Arabie Saoudite a annoncé qu'ils se sont trompés et que par contre, aujourd'hui, c'est le premier d'Ul-Hijjah. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier d'Ul-Hijjah. Naam. Car il y a une faute dans les calculs. Tayyib. Aujourd'hui, bi'idhna azzawajan. Naam. En passant, je profiterai de parler en ce qui concerne les 10 jours. Ces 10 jours, vous savez qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que pendant ces 10 jours, ces 10 premiers jours, Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. En ce sens, je vous dis le sens du hadith. Aime beaucoup quoi? Que les gens fassent le bien. Que les gens fassent le bien. Beaucoup ont compris de ce hadith que l'une des choses qui rentre dans le bien, c'est de faire le jeûne. C'est pour ça que beaucoup de gens font le jeûne les 10 premiers jours de Dhul-Qa'da. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Non. Seulement, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour dire à ceux qui ont un certain niveau de talabat l'ain qu'il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il jeûnait les 10 jours. Non. C'est-à-dire que c'est bien de jeûner ces 10 jours en les faisant rentrer dans la globalité de la bienfaisance et que Allah Ta'ala aime les bienfaits pendant ces 10 jours. Mais je veux dire explicitement, il n'y a pas spécialement un hadith qui dit qu'il faut faire le jeûne ou que le prophète a jeûné les 10 jours. Mais celui qui jeûne, c'est sûr qu'il est rentré dans ce que je disais. Il est rentré. 3 millions, vous pouvez vous faire un peu. Non. Je vais chercher comment augmenter. Je n'ai pas comment augmenter. Je vais voir. Non, je n'ai pas comment augmenter ni où augmenter. Non, ça a été toujours comme ça, le DAS. Ça a été toujours comme ça. Sur la fenêtre, non. Sur la fenêtre, c'est augmenté, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus que cela. Non. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Je disais que, Inch'Allah ta'ala, le son du micro. Non, il n'y a pas où augmenter. Le micro, il est à fond. Non, le micro, il est augmenté au maximum. Non. Et ici, dans la fenêtre aussi, j'ai augmenté au maximum. Non. Mais vous allez encore mieux m'entendre lorsque je vais baisser ma tête pour parler. Non. Car le micro est accroché à mon cou. Et quand je baisserai ma tête pour lire du livre, vous m'entendrez encore plus, Inch'Allah ta'ala. Je disais que c'était bien de faire le jeûne ces 10 derniers jours. Seulement, je voulais montrer au talabatul ilm qu'il n'y a pas un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ajeûner ces 10 jours. Bien, j'espère que, inchallah ta'ala, vous avez compris la différence et ce que je voulais dire exactement. Aujourd'hui, inchallah ta'ala, j'ai choisi un livre qui s'appelle La personnalité de la musulmane. Ce livre m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je lis ce livre quand je fais des assises aux sœurs, comme les sœurs de Marseille par exemple. J'ai commencé avec elles. Ce livre, il m'a beaucoup plu. Et je vais vous dire, inchallah ta'ala, ou là vous lire, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans... Comment ça s'appelle ça à la fin? Ce qu'il y a... ce qu'il y a dans la table des matières, pour que vous ayez une idée du contenu du livre, inshallah ta'ala, de ce qu'on va lire dans ce livre, inshallah ta'ala. Ce livre est divisé en 10 chapitres. Le premier chapitre parle le comportement de la musulmane vis-à-vis du Seigneur. Le comportement de la musulmane vis-à-vis du Seigneur. Chapitre 2, son comportement vis-à-vis d'elle-même. Chapitre 3, son comportement vis-à-vis de ses pères et mères. 4, son comportement vis-à-vis de son mari. 5, vis-à-vis de ses enfants. 6, vis-à-vis de ses belles-filles et de ses beaux-fils. 7, vis-à-vis de ses proches parents. 8, vis-à-vis de ses voisins. 9, vis-à-vis des amis et des sœurs en religion. 10, vis-à-vis de sa société. Premièrement, dans le premier chapitre, le comportement de la musulmane vis-à-vis du Seigneur. Il y a à peu près 28 paragraphes. Chaque paragraphe a un titre. Le premier paragraphe, elle est une croyante avertie. 2, elle adore son Seigneur. 3, elle accomplit les saintes prières obligatoires. 4, elle se rend parfois à la mosquée. 5, elle participe aux prières relatives aux deux fêtes. 6, elle accomplit fréquemment les prières surérogatoires. 7, elle accomplit parfaitement sa prière. 8, elle s'acquitte de l'aumône obligatoire. 9, elle observe le jeûne et la prière nocturne durant le ramadan, taraweh. 10, elle observe le jeûne surérogatoire. 11, elle accomplit le pèlerinage. 12, elle accomplit la umrah. 13, elle obéit à Allah. 14, elle évite toute situation d'isolement avec un étranger. Elle ne fait pas la khalwa. Naam. 15, elle porte le voile légal. 16, elle évite la mixité inconsidérée avec les hommes. 17, elle ne serre pas la main aux hommes, sauf au mahram. 18, elle ne voyage jamais sans mahram. 19, elle accepte la prédestination et les décrets d'Allah. 20, elle est repentante. 21, elle assume pleinement sa responsabilité envers sa famille. 22, l'agrément d'Allah est sa principale aspiration. 23, elle agit selon le principe de l'adoration d'Allah. 24, elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. 25, elle est fière de sa personnalité et de sa religion. 26, sa loyauté est exclusivement vouée à Allah. Et 27, elle commande le bien et interdit le mal. Et 28, elle récite fréquemment le Coran. De tout cela, inshallah ta'ala, on va parler avec les détails. Tout cela, c'est le premier chapitre, c'est tout. Et ensuite, chaque chapitre contient quoi? Contient beaucoup, beaucoup de paragraphes. Et dans chaque paragraphe, on va, inshallah ta'ala, parler avec détail. Je donne par exemple, je viens de donner les chapitres du premier, pardon, les paragraphes du premier chapitre. Le deuxième chapitre comporte seulement 7 paragraphes. Dans le deuxième chapitre qui s'appelle « Son comportement vis-à-vis d'elle-même ». Il est divisé en 3. 1, son corps. 2, son esprit. Quand on va parler de son corps, 1, elle est modérée dans son boire et son manger. 2, elle pratique le sport. 3, elle est propre de corps et d'habit. Elle est propre de corps et d'habit. Je répète. 1, son corps. Elle est modérée dans son boire et son manger. 2, elle pratique le sport. 3, elle est propre de corps et d'habit. 4, elle prend soin de sa bouche et de ses dents. 5, elle prend soin de ses cheveux.
6. Elle a une belle apparence. 7. Elle évite l'extravagance dans sa toilette. Ensuite, son esprit. 1. Elle développe constamment ses connaissances. 2. Elle s'initie aux connaissances nécessaires. 3. Elle se distingue dans le domaine intellectuel. 4. Elle s'écarte du charlatanisme. 5. Elle se consacre à la lecture. Maintenant, son âme. 1. Elle s'adonne aux pratiques culturelles et, cultuelles et purifie son âme. 2. Elle fréquente des femmes vertueuses et assiste aux assemblées des croyants. 3. Elle prononce assidûment les traditionnelles évocations. Et, des choses vraiment, mashallah. Peut-être les frères vont dire, subhanallah al-adim, ça a intérêt seulement, ça a rapport seulement avec les femmes. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Je répondrai très vite. Chaque chose, naam, dont le din t'intéresse, chaque chose dont le din t'intéresse, même quand je vais parler des monstrues, toi, mon frère, ça t'intéresse. Pourquoi? Parce que demain, toi, tu vas être marié et peut-être c'est toi qui montreras à ta femme quand elle aura des problèmes dans les monstrues. Et ensuite, n'oublie pas que c'est un din. Quand tu apprends, tu as des ajr. Les gens vont te questionner sur les monstrues. Tu ne vas pas dire à les demander aux femmes. Et tu dis, j'ai la réponse. Voilà ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu auras des ajr. Ensuite, autre chose. La femme, c'est qui? C'est... Quand elle apprend, elle, c'est déjà ta femme qui apprend, c'est ta soeur qui apprend, c'est ta mère qui apprend, et c'est peut-être ta prétendante qui est en train d'apprendre. Alors, tu es toujours pour toi aussi, Inch'Allah ta'ala, gagnant, bi'idhnillahi azzawajal. On commence, Inch'Allah ta'ala, chapitre 1, le comportement de la musulmane vis-à-vis du Seigneur. Petit 1, une croyante avertie. Naam, tayyib. Voilà, j'attendais que vous écriviez. Chapitre 1, le comportement de la musulmane vis-à-vis de son Seigneur. Petit 1 maintenant. Petit 1, une croyante avertie. Une croyante avertie. Jazakallahu khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Et de temps en temps, écris-moi, Inch'Allah, numéro 1, pour savoir qu'on est, Inch'Allah ta'ala, ensemble. La foi en Allah est ce qui caractérise fondamentalement la femme musulmane. Elle doit avoir la certitude que tout ce qui advient dans l'univers ainsi que les destins de la sont la manifestation de la volonté d'Allah. Elle doit aussi avoir la foi profonde que tout ce qui arrive à l'homme et à la femme, bien sûr, tout ce qui arrive à l'être humain est prédestiné. Et que, par conséquent, elle n'a d'autre choix que celui qui consiste à suivre le chemin du bien et adopter les moyens qui lui permettent de bien agir dans sa vie spirituelle et temporelle, tout en se remettant à Allah Azza wa Jal et en se soumettant à sa volonté et en ayant la certitude d'être dépendante de son assistance et de sa satisfaction. Naam. L'histoire de Hajar, radiallahu ta'ala anha, propose à la femme musulmane l'un des merveilleux modèles traduisant la profonde foi en Allah et le sincère abandon à sa volonté. Quand le prophète Ibrahim, alayhi salam, je lis et je vous explique, quand le prophète Ibrahim, alayhi salam, décida de la laisser à côté d'un grand arbre, au-dessus de Zemzem, près de la Kaaba, la Mecque était privée d'eau et Hajar n'avait d'autres compagnons que son fils Ismaïl qu'elle allaitait. Elle dit alors à Ibrahim, en toute confiance et sérénité, « Est-ce Allah sorte ?»« Oui, lui répondit-il. » À cette réponse, la réplique de Hajar fut pleine de satisfaction, de confiance, d'optimisme et de sécurité. Alors elle lui dit, puisqu'il en est ainsi, alors Allah ne nous abandonnera point. Le hadith, il est dans le Bukhari, il est sahih. Naam. Ce fut une situation des plus délicates et des plus difficiles.
Un homme qui abandonne son épouse et son nouveau-né dans un désert aride, sans eau ni compagnon, pour ainsi se diriger loin vers le Chem, ne leur laissant qu'une sacoche contenant des dattes et une outre d'eau, faut dire que sans la foi profonde et la sincère, pardon, et le sincère abandon à la volonté d'Allah qui imprégnait l'âme de Hajar, elle n'aurait jamais pu supporter cette situation. Et elle se serait peut-être effondrée à l'instant même. Je veux dire ici, je vais ajouter des choses ici, je vais dire, regardez, les salafs disent, le croyant est faible de corps, mais il est fort de cœur. Le croyant est faible de corps, mais il est fort de cœur. Et le munafiq, l'hypocrite, il est fort de corps. Masha'Allah, il pèse 150 kilos, mais très faible de cœur. Juste une petite maladie, il a beaucoup peur. Et le croyant, vous le trouvez, très faible, très maigre, très faible, na'am, peut-être même malade, mais avec un cœur, masha'Allah, qui peut, yani, qui résiste comme une montagne. Alors regardez, on dit que la femme est faible, la femme est ceci, mais regardez l'exemple de Hajar alayhi salam. Subhanallah al-Azim, comment mon mari me laisse en plein désert, avec rien comme viatique, à part une outre d'eau et quelques dattes, et il part, je ne sais pas s'il va revenir ou ne jamais revenir, na'am, en plein désert, avec les loups, avec les voleurs, avec, et elle résiste. Mais qui l'a fait résister en fin de compte? Et comment se fait-il qu'elle ait pu prendre une position pareille? C'est sa foi en Allah Azza wa Jalla. Sans la foi, elle se serait effondrée et elle aurait dit non, c'est pas possible. Non, la foi fait vraiment des choses adibes. La foi, quand on a la foi dans le corps, on peut vraiment faire des choses vraiment étonnantes, vraiment adibes. Le croyant est faible de corps, mais il est fort de cœur. Et le mécréant, il est fort. Il est fort de corps, ça. Et le mécréant, il est fort de corps et faible de cœur. Subhanallah al-Azim. Même Allah Ta'ala, quand il a parlé des munafiqin dans le Coran, il a dit, je connais le verset en arabe, il a dit, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Il a dit, et si tu vois les munafiqin, les hypocrites, leur corps va te plaire. Comment qu'il est le munafiq? Il est, masha'Allah, gros, et bien habillé, il a la chaîne d'or dans son cou, tu le vois, tu vas dire que celui-là est, masha'Allah. Mais il a un cœur d'oiseau. Et le musulman, non. Il est faible, toujours malade, toujours maigre, à cause de, il fait beaucoup de prières la nuit, beaucoup de ceci, beaucoup de jeûnes, mais il a un corps, masha'Allah, qui peut résister à n'importe quelle fitna, bi'idhna azza wa jal. Al-Muhim. Je disais que, na'am, où est-ce que j'étais exactement? Or, Hajar, si elle n'avait agi de la sorte, elle n'aurait pu être cette femme mémorable que se rappellent les pèlerins et les visiteurs de la Kaaba le long des jours et des nuits, chaque fois qu'ils consomment l'eau pure de Zemzem et chaque fois qu'ils accomplissent la course processionnelle qui s'appelle Safa ou Marwa, exactement comme elle s'est déplacée durant ce jour pénible. Cette lucidité d'esprit suscité par la foi, a produit des effets extraordinaires dans la vie des musulmans et des musulmanes. Pourquoi? Elle a contribué à l'éveil de leur conscience et au raffinement de leurs sentiments. Elle les a rendus conscients qu'Allah Azza wa Jal connaît en permanence leurs secrets les plus intimes et qu'il est avec l'homme là où il se trouve. Naam. Allah Ta'ala est omniprésent et il connaît tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Et si Allah Ta'ala, tu le connais, naam, si Allah Ta'ala, tu le connais
quand tu es à l'aise, il te connaîtra quand tu seras dans le pétrin et les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te connaîtra, il te connaît bien sûr, mais ça veut dire il sera avec toi et il t'aidera. Beaucoup de gens, quand Allah Ta'ala leur donne l'aisance et la belle vie, ils oublient Allah Ta'ala. Et dès qu'ils ont des problèmes, ils reviennent vers Allah et ils lèvent les mains. Ceux-là, il n'y a pas de différence entre eux et les mécréants. Car les mécréants aussi, quand ils ont des problèmes, ils lèvent la main et ils disent « Oh Dieu, aidez-nous ». Même le mécréant, il dit « Oh mon Dieu, aidez-moi. Je suis malade, j'ai le cancer. Oh mon Dieu, aidez-moi. » Naam. Mais le vrai croyant, c'est qui? Quel est le signe qui montre le vrai croyant? C'est que quand il est à l'aise, il connaît Allah. Naam. Il adore Allah. Il fait les surérogatoires, les nafilas. Il fait l'aumône, il fait ceci quand il est à l'aise. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quand tu étais à l'aise, tu connaissais Allah Ta'ala, il te connaîtra quand tu as les problèmes. Mais si maintenant, quand tu étais à l'aise, tu étais de l'autre côté, naam, ça ne t'intéressait pas Allah Ta'ala et son prophète et son paradis, naam, et tu n'avais pas peur de son enfer, alors aujourd'hui quand tu as des problèmes, il va te délaisser. Te laisser seul et te dire, va chercher et va voir si il y a ceux qui peuvent t'aider sans moi. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il nous préserve. Ensuite, naam, d'après Abdullah ibn Zayd ibn Aslam, son grand-père a dit, écoutez cette histoire, écoutez cette histoire. Il a dit, j'étais en compagnon de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, naam, alors qu'il effectuait l'une de ses rondes de nuit à Médine. S'étant senti fatigué, il s'appuya contre un mur. Cela se passait au cœur de la nuit. Et à ce moment-là, nous entendîmes une femme de l'autre côté du mur dire à sa fille, « Oh ma fille, prends ce lait et mélange-le avec de l'eau. » Alors la fille répondit, « Mère, n'es-tu pas au courant du décret promulgué aujourd'hui par le commandant des croyants Omar ibn Khattab? Et quel fut son décret, ma fillette ?» lui demanda sa mère. La fille répond, « Il a ordonné à quelqu'un d'annoncer aux gens qu'il était interdit de vendre du lait mêlé d'eau, » répondit la fille. Alors sa mère lui dit, « Ma fille, tu es dans un endroit où Omar ne pourrait te voir. Lève-toi donc et ajoute de l'eau à ce lait. » Et la fille de répliquer, « Je ne saurais lui obéir en public et lui désobéir en privé. » Pardon maman, pardon ma mère, je ne saurais obéir à Omar ibn Khattab en public et lui désobéir en privé. Alors Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui a écouté la conversation, me dit alors, « Aslam, dirige-toi vers l'endroit où ces deux femmes se trouvent, puis renseigne-toi sur leur identité et suis si l'une d'entre elles a un époux ou non. » Je me suis dirigé vers le lieu où elles se trouvaient, poursuit Aslam, et j'ai appris que la jeune fille n'était pas mariée. Naam, la jeune fille n'était pas mariée, et que la femme qui lui parlait était sa mère. Je me suis donc retourné pour en informer Omar. Suite à cela, Omar radiallahu ta'ala anhu convoqua ses fils et leur dit, « Si quelqu'un d'entre vous a besoin d'une épouse, je suis prêt à le marier. Et sachez que si votre père avait encore envie de femme, personne d'entre vous ne l'aurait dévancé pour épouser la jeune fille qu'il vous propose. » Alors son fils Abdallah lui dit, « Je suis marié. » Ce fut également la réponse de Abdurrahman. Quant à Al-Asim, il lui dit, « Je n'ai point d'épouse et je voudrais bien que tu te maries avec elle. » Alors Omar convoqua la jeune fille et la maria avec son fils Al-Asim. Plus tard, ce couple engendra une fille qui sera la mère du calife Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu ta'ala, subhanallah al-azim. Cette fille qui n'a pas voulu trafiquer le lait, Omar, radiyallahu ta'ala, l'a épousée à son fils Al-Asim. Ensuite, ils ont donné une fille
Naam. Ils ont donné une fille. Cette fille va être qui? La mère du grand, grand, grand calife Omar ibn Abdel Aziz radiallahu ta'ala anhu. Naam. Vous remarquez ici quoi? Donc Omar ibn Abdel Aziz, Omar ibn al-Khattab, c'est son grand-père paternel. Naam. C'est donc Omar ibn Abdel Aziz a une mère. Cette mère, c'est la fille du fils de Omar ibn al-Khattab. Naam. Vous avez remarqué que Omar ibn al-Khattab l'a marié. Pourquoi il l'a marié? Où est son tuteur? Il peut la marier sans son tuteur? Naam, il peut la marier sans son tuteur. Parce qu'elle n'avait pas de tuteur. Et vous connaissez le hadith que quand une femme n'a pas de tuteur, c'est qui son tuteur? Son tuteur, c'est le gouverneur. Alors il l'a marié avec son fils, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam, ici, dans le livre, bien sûr, chaque fois qu'il y a une erreur, là je corrige. Dans le livre, il est dit, naam, attendez. Non, c'est pas là. Naam. Ça va venir, inshallah ta'ala. Tayyib. Ce récit illustre l'éveil de conscience que l'islam a enraciné dans l'esprit de cette jeune fille musulmane. Si elle fut pieuse et dans le droit chemin, en privé comme en public, c'est parce qu'elle avait la certitude qu'Allah était avec elle en permanence et qu'il écoutait tous ses dires et observer tous ses actes. Telle fut la foi authentique dont l'effet fut l'ascension de cette jeune fille au degré de la haute bienfaisance, l'ihsan. Allah d'ailleurs l'en a honorant par ce mariage béni, puisque dans sa descendance il y eut Omar ibn Abdel Aziz, le cinquième calife bien guidé qu'Allah l'agrée. Ici, il a dit le cinquième calife. Je voudrais juste corriger et dire, non pas le cinquième, mais le septième. Naam, car on n'a pas le droit de sauter qui? De sauter le grand calife Hassan, le fils de Fatima, le fils de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était aussi un calife. Il a été calife pendant 6 mois. Naam. Et après lui qui? Muawiyah radiallahu ta'ala anhu a commandé et régné pendant 40 ans, c'est-à-dire 20 ans en tant qu'émir et 20 ans en tant que khalifa. 20 ans en tant qu'émir et 20 ans en tant que khalifa. Il n'a pas été cité, il a dit directement le cinquième calife. Nous on ajoute ces deux, ensuite on dit Omar ibn Abdelaziz, c'est le septième calife bi'idhnillahi azza wa jal. Regardez, cette fille n'a pas voulu obéir à sa mère en ce qui concerne la désobéissance d'Allah. Elle n'a pas dit, en fin de compte, c'est ma mère. Non. Il y a Allah bien, bien avant ta mère et ton père. Naam. L'obéissance d'Allah vient bien, bien, bien avant l'obéissance du père et de la mère. J'obéis à mon père et à ma mère dans des choses qui ne sont pas. À chaque fois que mon père me dit quelque chose d'interdit de la faire, alors lui désobéir, c'est obéir à Allah. Quand tu lui désobéis, tu as des récompenses. Subhanallah l'adim. Et quand tu lui obéis, tu as quoi? Tu as des péchés. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de gens croient que il faut obéir aveuglément au père et aux mères. Comme ça, directement, même si c'est contre l'islam. En islam, il n'y a pas cela. Il y a obéir à Allah Ta'ala et son prophète. Ensuite, obéir au père et à la mère et beaucoup leur obéir à condition que ça n'aille pas à l'encontre de l'islam. Et donc, cette fille qui a voulu obéir à qui? Au calife Omar ibn Khattab et bien sûr à Allah, voyez la récompense. Il l'a mariée avec quelqu'un, subhanallah al-azim, et voilà ce qu'elle a donné, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La foi d'une femme musulmane doit être pure. Elle ne doit être entachée ni d'ignorance, ni de charlatanisme, ni de concepts erronés. C'est une foi basée sur la croyance en Allah, l'un, l'unique, le Très-Haut, le seul à être imploré, l'Omnipotent, celui dont les mains détiennent les clés des destins, de toutes choses, et à qui revient l'ordre tout entier. Allah Ta'ala dit dans le Coran, qui détient en sa main la royauté absolue de toutes choses, et qui protège
et n'a pas besoin d'être protégé. Dites, si vous le savez, ils diront Allah. Dis alors, comment se fait-il que vous soyez ensorcelé au point de ne pas croire en lui? 23, 88-89. Allah Ta'ala a dit, dis, Allah vous fait vivre, puis il vous fera mourir. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. Il a dit aussi, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce d'un poids, fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Naam. Deuxièmement, donc qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, c'était quoi premièrement, rappelez-moi. Je n'oublie pas, premièrement, une croyante avertie. Deuxièmement, petit 2, elle adore son Seigneur. Écrivez le titre, elle adore son Seigneur. Deuxièmement, elle adore son Seigneur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la femme musulmane se dévoue avec zèle à adorer Allah Azza wa Jal. Consciente qu'elle est concernée par les obligations imposées par Allah à tout musulman et à toute musulmane, elle les accomplit de la façon la plus parfaite. Loin de toute négligence, et de tout prétexte permissif les concernant. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, elle accomplit les saintes prières obligatoires. Écris le titre, Barakallahu fik. Troisièmement, elle accomplit les saintes prières obligatoires. Jazakallahu khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, attendez une seconde. Oui. Elle accomplit les saintes prières obligatoires à leurs horaires. Ni les tâches ménagères, ni ses responsabilités envers ses enfants et son époux ne doivent l'en détourner. Car la prière est le pilier fondamental de la religion. Celui qui l'accomplit aura établi sa religion, alors que celui qui l'abandonne la prière aura détruit sa propre religion. Non. Elle est également parmi, je parle de la salate, elle est également parmi les bonnes œuvres. Celle qui a le plus de mérite et le plus de valeur. Ceci est mentionné explicitement par le messager d'Allah dans le hadith sahih du Bukhari muslim. On rapporte que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle parmi les œuvres est la plus méritoire. Au prophète alayhi salam, quelle est l'œuvre, la plus méritoire? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, la prière en son temps. Ensuite, laquelle? J'ai ajouté, se dévouer envers père et mère, obéir au père et à la mère. Et quoi encore? Repris-je. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la lutte pour la cause d'Allah. Le djihad fi sabilillah. En effet, la prière est le rapport direct entre l'homme et son Seigneur. C'est une source inépuisable d'où l'homme et la femme puisent force, détermination, compassion et satisfaction. C'est aussi, conformément au hadith, une source qui permet de se purifier de sa souillure, de ses péchés et de ses erreurs. J'attire votre attention quand Abdullah ibn Mas'ud a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'action la plus méritoire. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit la prière en son temps. Remarquez, il n'a pas dit la prière. Naam, il a dit la prière en son temps. Car si je fais la prière de la Isha, je la fais le matin, c'est comme si Yani, je suis en train de jouer. Il vaut mieux ne pas la faire. Sauf si vraiment je me suis endormi, je ne me suis pas réveillé, je ne l'ai pas fait exprès. Naam. Il a dit la prière en son temps. Celui qui fait et celle qui fait le dhuhr la nuit et le asr la nuit et salat al-sobh à 9h du matin, à 10h du matin, celui-là, il n'a pas encore bien compris l'islam. Naam. C'est pourquoi vous vous étonnez, vous dites,
pourquoi il y a des personnes qui sont masha'Allah et ils font beaucoup de péchés. Alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran, inna salata tanha 'an al-fahsha wal munkar. La salat éloigne de yani des péchés et des turpitudes. Comment se fait-il que on voit des gens qui font des péchés alors qu'ils font la salat? On leur répond très simplement, la salat qu'ils font n'est pas la vraie salat. Non. Elle est fausse. Elle est manquante, elle manque beaucoup. Et sûrement que elle ne se fait pas à l'heure, sûrement qu'ils la font pas à l'heure. C'est pour ça que elle a perdu son âme. C'est une salat qui est un corps seulement, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien à l'intérieur. C'est une belle voiture qui est devant toi, la dernière Mercedes. Mais si tu ouvres le capot, il n'y a pas le moteur. Naam, quand tu la vois la voiture, tu dis, Masha'Allah, c'est la dernière. Sport, la dernière. Attends, on va ouvrir le capot, il n'y a pas le moteur à l'intérieur. C'est la même chose. Ils ont la salat, mais soit elle n'est pas à l'heure, soit elle n'est pas comme la faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont loin, loin. Naam. Ensuite, vous avez remarqué, il a dit, ensuite j'ai dit quoi, ya Rasulallah? Il a dit, obéir aux parents. Ensuite j'ai dit quoi, ya Rasulallah? Il a dit le djihad. Vous avez remarqué que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis le djihad en troisième position. Pour ceux qui disent, le djihad avant tout. Naam, le faux djihad, avant tout. Même des gens qui ne font pas la prière à l'heure vont au djihad. Et des gens qui fument la cigarette et peut-être même la drogue, ils vont au djihad. Comme ça s'est passé en Algérie. Naam. Ils sont montés combattre le gouverneur avec la drogue, avec la cigarette, avec des milliers de fautes. Naam. Il dit le djihad. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le djihad en troisième position? Parce que quiconque qui ne peut pas, subhanallah al-azim, s'organiser dans la salat, comment peut-il s'organiser dans le djihad? La salat, c'est entre toi et Allah. Il n'y a personne qui te commande. Et tu ne peux pas t'organiser. Tu fais salat al-dhuhr la nuit. Et salat al-isha, tu l'as fait le matin. Tu n'as pas pu t'organiser. Toi, tu vas faire le djihad et tu vas t'organiser avec le chef qui va te dire, mets-toi dans cette place et tourne-toi le dos de l'autre côté et ceci, cela. C'est pas possible. Toi, avec ta salat, tu n'as pas pu t'organiser. Ta salat, yani, tu n'as pas encore vaincu ton nefs pour faire la salat organisée. Tu vas faire le djihad qui est une très 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 grande organisation. Très très grande. C'est pas le fawda. C'est pas tu vas à la maison, tu prends un couteau et tu vas au djihad. C'est pas comme ça. C'est très 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 organisé. Allah Ta'ala a dit, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ. Allah Ta'ala a dit, et préparez-leur, organisez-vous. Comment tu te prépares? Je me prépare, lui, avec des fusils à nucléaire, et moi avec un revolver. Et lui avec des fusées, des avions à nucléaire. Vous voyez ce qui se passe en Palestine? Vous voyez ce qui se passe? Subhanallah al-Azim. Juste, le frère, il sort de la maison, il monte dans la voiture, il reçoit la fusée. Naam. Et qui ne touche personne, sauf sa voiture lui-même, et il meurt. Subhanallah al-Azim. Tout est calculé par ordinateur. Pourquoi les kuffars, ils sont arrivés, et nous, on n'arrive pas? Pourquoi? Eux, ils arrivent, et nous, on n'arrive pas. Subhanallah al-Azim. Alors que toutes les sciences ont été prises des musulmans. Toutes les sciences, les mathématiques, la médecine, la physique, tout ce que tu veux, a été pris des musulmans. Pourquoi eux, ils arrivent? Ils sont organisés. Naam, ils sont organisés. Tayyib. Ensuite, il a dit, obéir aux parents. Ensuite vient le djihad. Naam, il veut dire par là, sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu ne peux même pas obéir à tes parents et tu vas obéir à un étranger. Tu vas obéir à ton chef dans le djihad. Ton père, il te dit, va faire cette chose, tu ne la fais pas. Ta mère te dit, achète-moi cette chose, tu lui as dit, ouf, ouf, que tu me fatigues. Ouf, il y a ma mère, tu as grandi, tu commences à dire n'importe quoi. Oh, ma mère, tu as vieilli, tu dis n'importe quoi. Tu vois, tu ne peux pas obéir à ta mère, tu vas obéir à ta mère qui t'a enfanté, t'a fait sortir de son ventre. Tu ne lui obéis pas. Tu vas obéir à un étranger, ton chef, hein, dans la bataille. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, il va te donner un ordre, tu vas lui obéir. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous apprendre. Naam. C'est temrin. Apprendre. Naam. Comment
commencer par les petites obéissances pour obéir ensuite dans les autres obéissances. Al-Muhim. Ici, il dit, on rapporte qu'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, dire, imaginez qu'une rivière passe devant la porte de l'un d'entre vous. Et que celui-ci s'y lave 5 fois par jour. Pensez-vous qu'après cela, il lui resterait la moindre saleté? Non, ils répondirent, aucune saleté. Il a dit, il en est de même des saintes prières, ajouta-t-il. C'est par elles qu'Allah Ta'ala efface les péchés. Dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les saintes prières sont comparables à une rivière d'eau abondante coulant devant la porte de l'un d'entre vous et dans laquelle il se lave 5 fois par jour. La prière, celui qui n'a pas de prière, yani, s'il va rencontrer Allah Ta'ala demain, ce sera vraiment, 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 vraiment très grave pour lui. La plupart des ulamas disent qu'il est mécréant. Quand il meurt, il est mécréant. Certains ont dit, s'il la reconnaissait, il la faisait de temps en temps, il la laissait, il n'est pas mécréant, mais il a fait alors l'un des plus grands péchés du monde. Subhanallah al-Azim. Car c'est la première question que Allah Ta'ala posera, c'est « Montre-moi ta salat. » Ce n'est pas la peine que tu lui dis ce jour-là, « Ya Allah, certes, j'avais pas de salat, mais j'ai donné tout mon argent, fi sabilillah. J'ai construit des mosquées, j'ai payé le hajj à mon voisin, naam, j'ai construit un hôpital, j'ai aidé les voisins. » Allah Ta'ala te dira, « Je ne t'ai pas parlé de cette chose. Je t'ai dit, où est la salat ?» Si elle est là, tu remercieras ce jour Allah Ta'ala qu'il t'a aidé et que tu l'as faite. Si elle n'est pas là, la salat, ce sera très grave ce jour-là. Naam. Il a dit ici, la prière est source de miséricorde pour les humains. À 5 reprises par jour, il s'abrite sous son ombre pour célébrer les louanges d'Allah. L'exalter, lui demander son assistance, sa miséricorde, son orientation vers le droit chemin et son pardon. D'où son effet purificateur pour ceux et celles qui l'accomplissent. Elles effacent leurs erreurs et expient leurs péchés. Beaucoup de gens ne veulent pas comprendre que, subhanallah al-azim, la prière, ce n'est pas un sport, ce n'est pas un sport, tu montes et tu descends, tu montes et tu t'inclines, tu lèves la tête. Ce n'est ni le judo, ni le karaté. La prière, c'est, tu vas rencontrer Allah Ta'ala, tu le rencontres 5 fois par jour sans le voir. Subhanallah al-Azim. Quand tu dis Allahu Akbar, tu commences à quoi? À lui parler. D'ailleurs, dès que tu dis, comme dans le hadith sahih, dès que tu dis Alhamdulillah, Allah Ta'ala dit Hamidana, Hamidani Abdi. Mon serviteur m'a loué. Tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit Majjadani Abdi. Ensuite, tu dis Malik Yomiddin. Il dit Athna Ali Abdi. Ou bien, il y a eu un petit décalage dans le hadith. Mais, quand tu rentres dans la salat, tu parles avec Allah et Allah, il te parle. C'est un grand, grand rendez-vous 5 fois par jour. Imaginez, on a la faveur d'avoir 5 rendez-vous avec Allah chaque jour. Qu'en est-il pour ceux qui les ratent? Tu rates un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, il t'attend. Il t'a envoyé quelqu'un qui te dit, hayya ala salat, viens à la salat. Je te rappelle, tu vas oublier. Je te dis, viens à la salat. Je sais que tu t'oublies avec le film. Je te dis, viens. Et tu ne vas pas à la salat. Alors que si on avait un rendez-vous avec quelqu'un, naam, pour notre intérêt, on n'aurait sûrement pas raté le rendez-vous. Naam. Si on a rendez-vous avec quelqu'un pour notre intérêt, sûrement que on ne rate pas le rendez-vous, subhanallah al-azim. S'il y a rendez-vous avec quelqu'un qui va nous dire, par exemple, je vais vous donner, je ne sais pas, un appartement. Venez demain à 13h pour signer à la mairie, car je vais vous donner un appartement. Moi, s'il me dit, il faut venir à 13h, je vais faire salat al-isha devant la mairie. Et je vais mettre un tapis et dormir et attendre jusqu'au lendemain, jusqu'à 13h, pour avoir l'appartement. Subhanallah. Mais si Allah Ta'ala m'appelle, je dis, laisse après.
Je vais joindre entre les salats, je vais grouper les salats, laisse après. Subhanallah al-Azim. 5 fois par jour, on a cette faveur de parler à Allah Ta'ala. C'est pour ça que ceux qui ont compris cette chose et la comprennent, vous les trouverez dans la salat avec quoi? Avec, ils la font avec humilité. Humilité, avec khushu'. Khushu'. Il sait qu'il est en train de parler à Allah. Il est en train de lui demander. Il est en train de l'implorer. Il est en train de pleurer. Naam. C'est une occasion. Je saute sur l'occasion. Donc, plus une personne connaît la portée de la salat, plus vous trouvez que sa salat est longue et pleine de khushu'. Et plus la personne croit que la salat c'est juste une corvée, un sport et c'est une corvée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en débarrasse vite. Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, salamu alaykoum. Alhamdulillah, j'ai terminé. Alors où en était-on? Le film s'est pas terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il allait se marier avec elle. Alors continue le film. Subhanallah al-Azim. Mais la salat, il la bâcle vite. Allez, vite, vite. C'est quoi? C'est une corvée sur le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, la plus belle chose au monde, pour lui, c'était la salat. Et quand il avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans la salat. Avant d'aller au commissariat, ou n'importe où, on commence par la salat. Commence à pleurer à Allah Ta'ala. Commence à lui demander de te pardonner. Commence à lui demander de l'assistance. Ensuite, va. Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essayez de me rappeler où, qu'est-ce que vous avez entendu à la fin. Où est-ce que je me suis arrêté? Naam. J'ai dit que, je répète, c'est pas ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. J'ai dit que, yani, plus on comprend la portée de la salat, plus on la fait bien et comme on doit la faire. Naam. Et plus on croit que la salat, c'est seulement yani, du sport, naam, alors on va la faire comme quoi si c'était un corvée. On veut vite s'en débarrasser. On veut vite s'en débarrasser. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la salat pour lui, c'était la chose yani, la plus merveilleuse au monde. Comme lorsqu'il il avait des problèmes, il rentrait directement dans la salat. Il commençait directement par la salat quand il avait des problèmes, sallallahu alayhi wa sallam, car il sait que la salat, ce n'est pas un sport. Il sait que quand il va rentrer dans la salat, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. Il sait que il va être très 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 près d'Allah quand il va se prosterner. Quand tu te prosternes, sache que tu es dans la position la plus proche d'Allah. Alors n'oublie pas comme a dit le prophète alayhi salam, il a dit alors profite, fais beaucoup de doigts. Naam. Tu es très près d'Allah. Pourquoi tu ne fais pas des doigts? Tu n'es pas malade? Tu ne voudrais pas qu'il te guérisse? Tu n'es pas pauvre, tu ne voudrais pas qu'il t'enrichisse. Non? Tu n'es pas plein, ton cœur est plein de chagrin. Tu ne voudrais pas qu'il te rende joyeux. Tu ne voudrais pas qu'il t'ouvre ses portes. Tu ne voudrais pas qu'il te pardonne ce que tu as fait. Tu n'as pas fait de faute, tu n'as pas fait de péché. Tu ne voudrais pas qu'il te pardonne. Et comme ça. Non, normalement, on ne s'arrêterait pas des doigts. Subhanallah al-Azim. Écrit quatrièmement. Quatrièmement, elle se rend parfois à la mosquée pour la prière en commun. Quatrièmement, elle se rend parfois à la mosquée pour la prière en commun. Est-ce que tu as écrit ça? Elle se rend parfois à la mosquée pour la prière en commun. Quatrièmement, alhamdoulilah, tout en exemptant la femme de l'obligation de participer à la prière en commun dans la mosquée, l'islam lui a permis de s'y rendre. En effet, les traditions et la sunna confirment que la femme sortait de chez elle pour accomplir la prière derrière le messager d'Allah. On rapporte que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, mère des croyants, a dit que le messager d'Allah, alayhi sallam, accomplissait en tant qu'imam la prière du fajr dans la mosquée. Et que certaines femmes parmi les croyantes, y assistaient, enveloppées dans... Ensuite, elles retournaient à leur demeure sans que personne ne parvienne à les reconnaître.
hadith rapporté par Bukhari. On rapporte aussi qu'elle a dit, Aïcha a dit, radiallahu ta'ala anha, des femmes croyantes assistaient à la prière du Fajr, avec le prophète, alayhi salatu wa salam. Elles étaient enveloppées dans leur voile. Ensuite, une fois la prière terminée, elles retournaient à leur demeure sans que personne ne parvienne à les reconnaître à cause de l'obscurité. Bukhari muslim, à cause de l'obscurité. Une parenthèse, Cheikh Al-Albani, parmi ses délits qui n'étaient pas obligatoires à la femme qu'elle cache son visage, il s'est basé sur ce hadith. Il a dit, qu'a dit le hadith? Il a dit, le hadith a dit à la fin, elles retournaient à leur demeure sans que personne ne les reconnaisse à cause de l'obscurité. Il a dit, Cheikh Al-Albani, ça veut dire que s'il n'y avait pas l'obscurité, on les aurait reconnus. Et pour reconnaître une femme, il faudrait que son visage soit découvert. Il a dit donc, ce qui a empêché de les reconnaître, c'est quoi? C'est l'obscurité. Sinon, on les aurait reconnus. Subhanallah al-Azim, Cheikh Al-Albani, hafidhahullah, Allah yarhamuh, le fiqh qu'Allah ta'ala lui a donné. Je voudrais dire, et ouvrir une autre parenthèse, les ulama disent, même Cheikh Al-Albani, Allah yarhamuh, qui dit, c'est pas obligatoire, dit, mais si la femme est belle et attirante et elle est fitna pour les hommes, alors elle doit mettre. Pourquoi? Pour s'éloigner de la fitna, car elle va être une fitna pour les autres. Naam, bien sûr, vous allez dire, mais les hommes doivent baisser le regard. Naam, baisser, mais des fois, moi, je ne peux pas baisser. Mais si tu caches le visage, je baisse, car il n'y a rien. Des fois, je ne peux pas. Naam, alors, qu'en est-il d'une femme, par exemple, qui est mariée? Je conseille toute femme mariée de mettre le niqab. Pourquoi? Parce que à qui elle veut-elle montrer son visage? Ne suffit-il pas qu'elle le montre à son mari? Ça suffit. Pourquoi elle le montre aux autres hommes? Non, quand elle était jeune, plus ou moins. Maintenant, elle est mariée. Qu'elle le mette. Surtout, si elle est dans un pays de kofre. Un pays de kofre, tous les kuffars voudraient bien voir son visage, voudraient bien, je ne sais pas quoi. Moi, pour les punir, je vais mettre le niqab pour qu'ils ne voient rien en moi, bi'idhn azza wa jal. Al-muhim, khair inshallah. Tayyib. Je disais que, où est-ce qu'on est dit? Non. Cette réalité est également confirmée par la sunna et les traditions qui soulignent que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a allégé sa prière. On parle toujours que la femme peut aller à la mosquée pour faire des prières. Quel est le dalil ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allégé sa prière en tant qu'imam lorsqu'il entendait un enfant pleurer en raison de la préoccupation qu'aurait sa mère. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le messager d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'arrive d'entamer la prière, yani en commun, en ayant l'intention de la prolonger. Mais dès que j'entends un enfant pleurer, j'accélère ma prière parce que je sais combien une mère souffre quand elle entend son enfant pleurer. Hadith Bukhari Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accélère sa prière quand il entend un enfant pleurer derrière elle, derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa mère est en train de souffrir. Donc sa mère est avec nous dans la mosquée. Donc c'est une preuve que la femme va à la mosquée pour salat subh et salat al-isha. Et vous remarquez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rahma qu'il a dans le cœur, la prière, la chose la plus aimée, il fait quoi? Il la fait vite, juste pour yani, ne pas gêner la femme, yani, ne pas gêner sa mère, qui doit sûrement yani, sentir beaucoup de problèmes et beaucoup de chagrin quand son enfant pleure. Et qui sûrement ne va pas faire la salat avec Yani Khouchoua, car elle est en train de penser à son fils. Naam. Par ailleurs, Naam. Par ailleurs, c'est une vaste miséricorde qu'Allah Ta'ala accorde à la femme en l'exemptant de participer aux saintes prières prescrites dans la mosquée. Car si Allah lui avait imposé cette tâche, cela lui aurait causé de grandes difficultés. Elle
ne l'assumerait sûrement pas et se trouverait dans l'incapacité de l'accomplir de façon stricte. Car si les hommes, comme nous le constatons, beaucoup d'eux ne parviennent pas à observer assidûment la prière en commun dans la mosquée et se trouvent dans beaucoup de cas obligés à l'accomplir là où ils se trouvent, dans leur lieu de travail ou chez eux, alors que dire donc des femmes ? Que dire des femmes ? C'est que les tâches ménagères de la femme, ainsi que ses multiples occupations, dont la responsabilité envers son foyer, son époux, ses enfants, ne lui permettent nullement de quitter sa demeure 5 fois par jour. Il lui est même impossible d'assumer toutes ses responsabilités à la fois. À partir de cette réalité, on parvient à saisir clairement le sens profond pour lequel l'obligation de participer à la prière en commun dans les mosquées et le fait que la prière de la femme dans sa demeure soit préférable à celle accomplie dans la mosquée. Concernant cette question donc, l'islam a laissé le libre choix à la femme. Elle peut accomplir la prière chez elle, comme elle peut quitter sa demeure pour l'accomplir dans la mosquée. Et même son époux n'a pas le droit de l'en empêcher quand elle lui demande la permission. Cela est affirmé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. Il a dit « N'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées. Toutefois, il leur est préférable d'accomplir la prière dans leur demeure. » Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Quand la femme de l'un d'entre vous lui demande la permission d'aller à la mosquée, qu'il ne l'en empêche pas. » Hadith apporté par Bukhari Muslim. Je répète, quand la femme de l'un d'entre vous lui demande la permission d'aller à la mosquée, qu'il ne l'en empêche pas. Naam, il est interdit à un homme, si sa femme demande la permission d'aller à la mosquée, de lui dire non, tu n'y vas pas. Naam, s'il lui dit non, tu n'y vas pas, il a fait un péché. Naam. Et vous connaissez l'histoire du fils de Omar ibn Khattab, quand Abdullah ibn Omar, quand il parlait avec un fils à lui, certains disent c'est Bilal, d'autres disent c'est Salem, d'autres disent c'est Hamza, l'un des trois. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, n'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées, à la mosquée. Son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Wallah, moi je l'empêcherai. Que lui a répondu Abdullah ibn Omar ibn Khattab? Il lui a dit quoi? Moi je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne l'empêchez pas de la mosquée. Et toi tu l'empêches de la mosquée? Je jure par Allah que je ne te parlerai plus. Et le hadith est sahih, et ils ne se sont plus parlé jusqu'à la mort. Ils ne se sont plus parlé jusqu'à la mort, subhanallah l'adhim. Il est mort et il n'a plus reparlé avec son fils. Pourquoi? À cause d'un hadith dans le Bukhari, naam. Cause d'un hadith. Pourquoi? Parce que chez eux, le hadith c'était vraiment quelque chose qui avait beaucoup de valeur. C'est pas comme de nos jours. De nos jours, je te dis un hadith, tu le transgresses, ça m'est égal. Autrefois, je te dis, le prophète a dit, tu me dis le contraire, alors là tu n'es plus mon fils. Naam. Ils étaient prêts à sacrifier leur famille à cause de l'islam. Tu n'es plus mon fils, je te parle plus. Jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, ce que tu fasses tawba. Je te dis, le prophète a dit, tu me dis le contraire. Al-Muhim. Toutefois, je voudrais dire ici que l'homme, il lui est permis d'empêcher sa femme d'aller à la mosquée s'il a des délits que sa femme n'y va pas à cause de la mosquée, ni à cause du dars, mais qu'elle y va à cause de, pour rencontrer les sœurs, et rigoler et plaisanter et faire tape 5 et parler du mariage et du divorce et qu'est-ce que vous vendez cette semaine et qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce que tu as cuisiné et quel film tu as vu. Naam. Dans ce cas, il lui dit, toi, ta place c'est ici, Inch'Allah Ta'ala, ou là ta place c'est dans le marché. Tu vas au marché plutôt qu'à la mosquée. Naam. La mosquée, quand je sens que ma femme va à la mosquée à cause de la mosquée. Naam. Pour apprendre le dîn, écouter la salat, ça ne fait rien aussi pour rencontrer ses sœurs, car les sœurs, quand elles rencontrent les sœurs, l'iman, mashallah, ils montent. La même chose les frères quand ils rencontrent les frères, mais
je n'ai pas de dalil que il y a des choses yani qui dans ce cas je peux yani empêcher ma femme d'aller à la mosquée car elle n'a pas fait ce que le prophète Naam alayhi sallam m'a dit de faire. Il m'a dit de la laisser aller à la mosquée, c'est-à-dire pour la mosquée, mais pas pour autre chose. Naam. D'ailleurs, en dépit du fait que la sortie des femmes ne fut ni du goût des contemporains du messager d'Allah, ni compatible avec leur mentalité, dès qu'ils entendirent les injonctions du prophète, ils s'exécutèrent et autorisèrent leurs femmes à le faire. Non. Il y avait certains compagnons qui, si pour eux, s'ils pouvaient, ils ne laisseraient pas leurs femmes aller à la mosquée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un hadith qui te dit qu'il ne faut pas empêcher. Qu'est-ce que tu vas faire? D'ailleurs, on rapporte à ce propos que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab a dit que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab a dit l'une des épouses de Omar radiyallahu ta'ala anhu assistait à la prière du Subh et à celle du Isha en commun dans la mosquée. Alors on lui dit, on a dit à l'épouse de Omar ibn al-Khattab, vous connaissez la jalousie de Omar ibn al-Khattab, vous la connaissez, hein? C'est pas la peine que je vous la dise. La jalousie de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dans le din, tout le monde la connaît. Au point où vous vous rappelez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté chez Allah Ta'ala et qu'il est rentré au paradis, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une femme en train de faire le wudu devant un palais. Quand il a demandé à qui c'est le palais, on lui a dit ce beau palais, c'est à Omar ibn al-Khattab. Il a dit, j'ai voulu entrer, mais je me suis souvenu la jalousie de Omar. J'ai pas voulu rentrer. Et quand il est descendu, il a raconté ça à Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab a pleuré, radiyallahu ta'ala anhu, et a dit, ya Rasulallah, est-ce que de toi je suis jaloux? Ya Rasulallah, est-ce que de toi je suis jaloux? Al-Muhim, tout le monde connaît la jalousie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pardon, de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, les femmes, quand elles étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles viennent lui poser des questions, etc. Elles sont à l'aise. Elles rient, elles qu'elles ont. Dès qu'elles entendent que Omar ibn al-Khattab est arrivé, hop, elles se cachent. Elles se cachent. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, riait. Naam. Et une fois, une femme, le hadith est aussi dans le Bukhari, une femme avait juré que si elle gagnerait je ne sais pas quoi, elle frapperait du tambour sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, elle a fait un nadr. Alors, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment je fais? Il lui a dit alors tape. Et elle a commencé à taper du tambour quand Omar ibn al-Khattab est rentré, sans qu'elle le sache. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a vite mis sous elle et elle s'est assise sur le tambour. Elle s'est assise sur le tombeau, ce qui a fait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Alors on a dit à la femme de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a dit, pourquoi sors-tu ainsi alors que tu sais que cela déplaît à Omar et le rend jaloux? Pourquoi tu sors, tu vas à la mosquée alors que tu sais que ton mari ne veut pas et qu'il est jaloux? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, et qu'est-ce qui l'empêche de me l'interdire? Alors, qu'est-ce qui l'empêche de me l'interdire? Dit-elle. Alors on lui répondit, ce qui l'empêche, c'est que le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas les servantes d'Allah d'aller aux mosquées d'Allah. Naam, hadith sahih. N'empêchez pas les servantes d'Allah d'aller aux mosquées d'Allah. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc, elle sait quoi? Elle a la tête haute. Elle sait qu'elle a un hadith avec elle. Elle sait que Omar ibn al-Khattab, quoique très jaloux, ne peut jamais transgresser un hadith. Jamais. C'est pour ça qu'elle a la tête haute maintenant. Elle sait qu'il ne peut rien lui dire. Elle dit même aux gens, dites-lui s'il peut m'empêcher. Dites-lui. Dites-lui s'il peut m'empêcher. Il ne pourra pas. Subhanallah al-Azim. Et ce qui prouve aussi que les femmes étaient présentes avec les hommes dans les mosquées. Naam. C'est que lorsque Allah Ta'ala a ordonné aux Sahaba de se tourner vers la Kaaba, alors qu'auparavant ils se tournaient vers le Shem, vers Palestine exactement, alors qu'ils étaient inclinés, lorsqu'ils entendirent que khlas, il fallait se tourner vers la Kaaba, alors ils se tournèrent de façon à ce que
ils se trouvèrent à la place des femmes et les femmes se trouvèrent à la place des hommes. Naam. Je suis, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Ensuite, la Kaaba a changé. La Qibla a changé. Ce n'est plus de ce côté, c'est du côté inverse. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va se tourner et les hommes vont se trouver du côté des femmes et les femmes vont se retourner pour se remettre à leur place. Donc, il y avait des femmes derrière. Il y avait des femmes aussi derrière avec eux. Naam. Et ce qui prouve aussi que les femmes étaient présentes, c'est ce qu'il y a dans le hadith sahih qui dit que, un compagnon dit, il y avait une femme, une compagnonne qui était très belle. Et quand elle venait s'aligner derrière les hommes avec les femmes, il y avait certains hommes qui prenaient les derniers rangs des hommes. Comme ça, ils pourraient se trouver près d'elle pour bien la regarder. Subhanallah al-Azim. Naam, pour la regarder. Et d'autres, bien sûr, quand ils rentraient à la mosquée, ils allaient au devant. C'est pour ça que le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le meilleur rang des hommes, c'est celui qui est le devant. Et le plus mauvais, c'est le dernier. Pourquoi le dernier? Parce que tu te trouves près de la femme. La femme est juste rangée derrière toi. Donc c'est la fitna qui est derrière toi. Il vaut mieux être vers l'avant. Et la même chose pour la femme. Son meilleur rang, c'est quand elle est derrière. Car si elle est derrière, elle est loin des hommes. Et maintenant, de nos jours, ça ne s'applique plus, disent les ulama, parce qu'il y a, une autre salle pour les femmes. Il y a un mur, il y a ceci. Autrefois, il n'y avait rien. Il n'y avait ni rideau, ni rien. Je dis ni rideau, ni rien. Tu te tournes comme ça, tu te trouves les femmes derrière toi, à un mètre, ou à un demi-mètre, ou à deux mètres derrière toi, je ne sais pas combien la distance. Mais elles sont là, juste derrière toi. Alors j'ai dit que certains, subhanallah al-Azim, se mettaient dans les derniers rangs à cause de cette femme qui était très belle. Et d'autres allaient au-devant pour s'éloigner de la fitna. Subhanallah al-Azim. Est-ce que vous pensez que cette chose échappe à Allah? Allah Ta'ala ne sait pas pourquoi tu es venu à la mosquée. Certes, tu es venu pour la prière, mais en même temps pour jeter un coup d'œil. Allah Ta'ala a fait descendre un verset spécialement pour cela. Il a dit وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Et on a connu ceux de vous qui vont vers l'avant et ceux de vous qui vont vers l'arrière. Vers l'avant pour faire la prière avec l'imam et vers l'arrière pour voir la femme. Subhanallah al-Azim. Rien n'échappe à la science d'Allah. Allah Ta'ala, on ne peut rien lui cacher. Ce hadith, entre parenthèses, est l'un des dalils qui disent que il n'est pas obligatoire à la femme de cacher son visage. Car, comme le sahabi a dit, elle était très belle si elle avait le visage caché. Ensuite, comment il voulait faire la prière au dernier rang pour la voir? Pourquoi je la vois si elle a le sitar? Je ne peux rien voir. Donc je me mets dans le dernier rang pour voir son visage. C'est l'un des hadiths qui ont dit que la femme ne cachait pas son visage. De toute façon, je vous ai dit, Inch'Allah Ta'ala, quelle est la vie le plus juste. Ensuite, ce qui prouve que la femme allait beaucoup à la mosquée, ce qui est rapporté dans le hadith sahih de Muslim, que Hisham bintu Haritha ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai appris la sourate intitulée Qaf ou le Coran al-Majid que de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi. Car chaque vendredi, il l'a récité sur le mimbar lors de son prêche qu'il adressait aux gens. Et une autre femme a dit, qui s'appelle Amra bint Abdurrahman, elle a dit, j'ai appris la sourate al-Qaf de la bouche du messager d'Allah le jour du vendredi, car à chaque prière du vendredi, il l'a récité sur le mimbar. Hadith dans Sahih et dans Muslim, dans le Bukhari, dans le Muslim. Donc ces femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? À force d'assister au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont appris une grande sourate, elles l'ont appris seulement de la bouche, en l'entendant. Qaf, le Coran, le Majid. Et elles entendent, elles ont appris la sourate. Subhanallah al-Azim. Vous savez, sourate al-Qaf, combien qu'elle fait de versets? 45 versets. Presque deux pages. 45 versets
elles les ont appris seulement à force d'écouter, d'écouter. C'est dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette sourate, Qaf, lisait chaque vendredi. Où en sommes-nous maintenant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous avez entendu de votre vie quelqu'un le vendredi, un imam, monter sur le mimbar et lire sourate al-Qaf en entier? Ça ne se fait pas. Si ça se fait, jamais, voilà. Vous ne trouverez ça que dans les mosquées où il y a vraiment Al-Sunnah. Naam. Il y a des Al-Sunnah qui montrent aux gens le din. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lisé chaque vendredi. Ce n'est pas un vendredi oui, un vendredi non. Non, non. Chaque vendredi. Chaque vendredi. Chaque vendredi. Subhanallah l'adhim. Et nous, le imam, il peut rester des années. Je ne dis pas sans la lire. Et plus grave encore, si tu lui dis pourquoi tu la lis, tu te dis moi je vais lire le Coran sur le mimbar. D'où tu as tiré ça? C'est même pas le dinam. Sourate Qaf, j'ai jamais entendu ça. Comment on lit Qaf, on lit le Coran sur le mimbar? Le mimbar c'est pour apprendre le din aux gens, faire le prêche. Et ils ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et les traditions indiquent donc que les femmes assistaient à la prière du vendredi. Bien plus, certaines traditions confirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait aux hommes de faire le roussl si ils veulent aller à la salat du Jumu'ah. Naam. Quand une femme veut aller faire la salat du Jumu'ah, elle fait le roussl comme l'homme. Pourquoi? À cause de la sueur. Elle va s'asseoir avec des femmes, etc. Et elle va suer. Donc elle fait le roussl avant de sortir et d'aller à quoi? À la mosquée. Quand elle fait le roussl, elle ne sort pas parfumée. Naam. Elle fait le roussl et elle attend qu'elle soit sèche et que l'odeur du savon, par exemple, s'il était parfumé, elle n'a plus d'odeur. Et ensuite, elle va à la mosquée. Les textes mentionnent ainsi que Esma bint Abi Bakr, Siddiq, la sœur de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a aussi participé à la prière de l'éclipse solaire. Et elle avait demandé à un homme qui se trouvait près d'elle de lui répéter un passage du sermon du prophète alayhi salatu wasalam qu'elle n'avait pas bien entendu. Le Bukhari rapporte que Esma radiyallahu ta'ala anha a dit le messager d'Allah se leva pour prononcer un prêche après l'éclipse solaire. Il parla de l'épreuve de la tombe à laquelle l'homme sera exposé. Et là, les musulmans poussèrent une grande clameur qui m'empêcha d'entendre les dernières paroles du messager d'Allah. Alors, quand la clameur prit fin, je demandai à un homme qui était près de moi, et qu'Allah te bénisse. Qu'est-ce que le messager d'Allah a dit vers la fin de son prêche? Il me répondit, il a dit, il m'a été révélé que dans vos tombes, vous subirez une épreuve comparable à celle que l'Antéchrist, le Messie Dajjal, vous exposera. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, la femme, elle était même dans la salade de l'éclipse solaire. Et vous voyez Esma, radiyallahu ta'ala anha, vous voyez son amour pour le din. Naam. Elle n'a pas, quand elle n'a pas bien entendu, elle n'a pas laissé l'occasion. Elle a demandé à un homme qui était devant elle, s'il te plaît, que Allah te bénisse. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai pas bien entendu. Et là, vous remarquez que en islam, il y a toujours les extrêmes. C'est rare que vous trouviez quelqu'un qui soit vraiment au milieu. Il faut qu'il soit vraiment de Al-Sunnah al-Jama'a. Vous trouvez les extrêmes qui disent quoi? Qui disent que il est interdit de parler, il est interdit à la femme de parler avec l'homme. Naam, c'est interdit. Alors que Esma, vous avez vu ici, elle s'est retournée vers quelqu'un qui était près d'elle. Elle lui a dit, que Allah te bénisse. Qu'a dit le prophète, alayhi salam, je n'ai pas entendu. Certains disent, la femme, jamais il faut lui parler. Naam. Elle marche dans la rue, son sac tombe, ou là, sa carte d'identité tombe dans la rue là, c'est interdit de lui parler, je ne lui parle pas. Je la laisse comme ça, je ne lui dis pas, s'il vous plaît, regardez, vous avez fait tomber cette chose là. Non, je ne lui parle pas. Elle me demande où se trouve la rue ou là, je ne parle pas, c'est interdit de parler aux femmes. Naam. Et beaucoup de sœurs m'écrivent, elles disent,
je parle pas avec le frère de mon mari. Zama, c'est interdit. C'est interdit de dire salam alaykoum, comment vas-tu? Non, c'est interdit en islam. Non, le prophète a dit alayhi salam, c'est la mort. Naam, c'est la mort quoi? C'est la mort si. Pourquoi il a dit c'est la mort? Il a dit c'est la mort, on lui a posé la question. Est-ce que je rentre chez elle? Elle est seule dans la maison, la femme de mon frère. Est-ce que je rentre chez elle? Elle est seule à la maison. Il a dit non, personne ne rentre. On lui a dit le frère de son mari. Il a dit le frère de son mari, c'est la mort. Naam. Parce que il se sent proche d'elle, il est de sa famille, il peut faire ce qu'il veut, il sort. Et les gens disent il était chez sa famille. Mais ce n'est pas ne pas lui dire salam alaykoum, ne pas lui parler. El Mouhim, j'ai dit les extrêmes. Certains disent je ne parle jamais avec un homme. Et d'autres exagèrent dans le parler. Naam. Salam alaikum, comment vas-tu? Alhamdulillah, qu'est-ce que tu as fait hier? Quel film tu as vu? Qu'est-ce que tu as mangé? Où tu es parti? Comment tu t'habilles? Qu'est-ce que tu as? Ceci, cela, cela, subhanallah, l'adim, les extrêmes. Il n'y a jamais le milieu. Naam, le milieu, c'est rare pour le trouver. Pour le trouver, naam. Al-Muhim, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Dans une autre version, elle a dit, une éclipse solaire a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis alors rendu à la mosquée. C'est Esma qui parle. Je me suis alors rendu à la mosquée. Quand je suis entré à la mosquée, j'ai constaté que le messager d'Allah était en position debout dans sa prière. Et j'en ai fait autant. Je me suis mis debout. Il demeura dans cette position si longtemps qu'à maintes reprises, je m'apprêtais à m'asseoir. Mais à chaque fois, en remarquant une femme faible qui persistait à adopter cette position, je me suis dit, pourtant elle est plus faible que moi. Alors je me levai, et après cela, il effectua une longue inclinaison, puis se redressa en position debout, qu'il prolongea au point, si un homme venait le rejoindre dans la prière, il croirait qu'il ne s'était pas encore incliné. Quand il a achevé la prière, le soleil fut dégagé. Alors il a adressé un prêche aux gens et il célébra les louanges d'Allah. Puis il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Avant cela, remarquez ici quoi? Remarquez que, Esma, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une longue, longue, longue prière debout. Elle a dit, j'ai pas pu résister, je voulais m'asseoir. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dit, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une femme. Alors je me suis encouragé. Naam, comme ça, on s'encourage. On s'encourage. Tu te dis pourquoi? Cette femme est vieille et elle tient debout. Et elle fait les tarawih. Pourquoi moi je ne peux pas? Regarde, celle-là, elle est enceinte. Et, masha'Allah, elle est debout. Pourquoi moi je ne peux pas? Donc c'est ma foi qui est faible. La preuve, celle-là, elle est enceinte, celle-là, elle est malade, celle-là, elle est vieille et elle peut. Pourquoi moi je ne peux pas? Non, c'est pas vrai. Donc c'est ma foi qui est faible. Vous voyez comment on s'encourage en regardant les autres. En regardant les autres. Naam. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. À travers les textes authentiques cités, donc il en ressort clairement que la femme musulmane se rendait à la mosquée dans les diverses occasions et que cette fréquentation de sa part fut une pratique courante et admise à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte même, écoutez cette chose très importante, on rapporte même qu'une femme fut agressée alors qu'elle se dirigeait vers la mosquée. Et que cet incident n'incita point le prophète alayhi salam à faire des réserves sur l'autorisation octroyée aux femmes de se rendre à la mosquée. Bien au contraire, ses instructions de l'autoriser d'aller à la mosquée et son interdiction de l'en empêcher sont restées en vigueur, vu les effets positifs que représente la présence de la femme dans la mosquée. Quoique occasionnel, sur quoi la présence, l'impact sur son âme, son esprit et sa personnalité. Dans le hadith, il est rapporté par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 1, une femme qui se rendit à la mosquée pour accomplir la prière du Sobh fut victime d'une agression. Ayant demandé le secours d'un homme qui passait, alors son agresseur s'enfuit. Naam. À ce moment,
elle demanda le secours d'un groupe de gens armés qui passaient non loin d'elle. Alors ces hommes se précipitèrent derrière celui qui avait assisté la femme, le prenant pour l'agresseur, subhanallah al-alim, car l'agresseur s'était enfui. Alors ils l'attrapèrent et le ramenèrent à la femme. Naam. Je suis celui qui t'a assisté, lui dit l'homme. Ton agresseur a pris la fuite. Mais devant cette situation, ils conduirent cet homme auprès du messager, alayhi salatu salam, et l'informèrent qu'il a agressé la femme et qu'ils l'ont attrapé en pleine fuite. Alors que Allah Ta'ala sait que ce n'est pas lui, c'est un autre. C'est un autre. Donc il s'est enfui. Naam. Alors l'homme se défendit. Naam. L'homme se défendit une autre fois en disant, j'étais en train de l'assister contre son agresseur quand ces gens-là m'ont attrapé et m'ont conduit chez toi au prophète alayhi salatu salam. Mais la femme déclara, il ment, c'est un menteur. C'est lui qui m'a violé. Alors le messager d'Allah leur dit, emmenez-le pour le lapider. Emmenez-le pour le lapider. Alors là, un homme se leva et dit, ne le lapidez pas. Lapidez-moi plutôt. C'est moi qui ai commis le viol. Alors suite à cet aveu, le messager d'Allah réunit les trois personnes. La femme violée, celui qui l'a violée, et celui qui l'a assisté. Il a dit au violeur, quant à toi, Allah t'a pardonné ton péché. Puis il adressa ses compliments à celui qui a assisté la femme agressée. Alors Omar ibn al-Khattab lui dit, dois-je lapider celui qui a avoué avoir commis la fornication? Non, lui répondit le messager d'Allah, car il s'est repenti à Allah. Il a dit, je crois l'avoir entendu dire, son repentir est d'une sincérité telle que si les gens de Médine l'avaient déclaré, Allah l'aurait accepté de leur part. Subhanallah al-Azim. Naam. Subhanallah al-Azim. Quand ils ont cru que c'était l'autre, yani, ils ont cru que celui qui l'a assisté, c'est lui qui l'a agressé. Et ils ont dit lapidez-le. Le prophète a dit lapidez-le. L'autre, le violeur, le vrai, il était là, assis, personne ne le connaissait. Il aurait pu se dire, Alhamdoulilah, ils ne m'ont pas découvert, alors qu'il lapide l'autre à ma place. Comme ça, peut-être nous, on aurait dit, ah, Alhamdoulilah, personne ne sait que c'est moi. Mais, la foi quand elle est dans le cœur, la sincérité avec Allah. Tu as un feu qui brûle ton cœur, tu n'acceptes pas. Comment j'accepte que quelqu'un va mourir à ma place et il n'a rien fait miskin? Il n'a rien fait miskin. Il a assisté la femme, il n'a rien fait. Et moi qui ai violé, lui, il va mourir à ma place. Non, si j'ai la foi et la sincérité avec Allah, je ne pourrai pas. Et il a parlé, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, Ya Rasulallah, lâchez-le. Ne le tuez pas. C'est moi l'agresseur, ce n'est pas lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que la loi, que dit la loi? La loi divine, que dit? Quiconque fait une faute, s'il se cache, qu'il se cache. Mais s'il nous dit, d'ailleurs il se cache, c'est mieux. Mais s'il nous dit, on doit le juger, on doit faire le jugement d'Allah sur lui. Et ici il a dit à Rasulullah, c'est moi. D'ailleurs même Omar ibn Khattab a dit, Ya Rasulullah, donc je le lapide, puisqu'il a reconnu devant toi, je le lapide. Mais le prophète alayhi wa sallam a dit non. Pourquoi? Parce que le fait de dire, c'est moi qui ai fait cette chose, alors que personne n'aurait pu savoir cette chose, sauf Allah. N'est-ce pas un grand, grand, grand signe, un grand délil qu'il était sincère? C'est ça la sincérité. Personne, tu lèves la main, tu dis, excusez-moi, c'est moi qui ai fait cette chose. C'est ça la sincérité, subhanallah. Personne ne peut le savoir. Personne. Naam, ils ne peuvent pas savoir ce que j'ai dans le cœur. Et alhamdoulilah, ils ont attrapé une autre personne à ma place. Laisse-la aller, khlas, qu'elle meure à ma place. Mais non, ne la lapidez pas. C'est moi qui ai fait la faute. Subhanallah l'azim. L'islam n'est pas là pour couper les têtes et lapider. Tu as fait la tauba, khlas. Allah yahdik, Allah ismahlik, khlas. Alhamdoulilah, on a des preuves que la tauba est quoi? Et ici très 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 clair. Très... Naam.
طيب ensuite pour terminer aussi avec avec la femme et la mosquée avec la femme et la mosquée car c'est long encore la femme et la mosquée n'am d'ailleurs il est rapporté dans la sunna que attendez n'am que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois il tardait la salat al-isha dans la mosquée il la faisait retarder parce que la salat al-isha plus on la retarde si on la fait en groupe plus on a des ajr n'am on la retarde pas à cause du film ni du match du football il y a un match ah mashallah il y a un match mashallah on va retarder la salat al-isha et on va la faire en groupe mashallah vive la sunna on aime la sunna vive la sunna on retarde la salat al-isha c'est la sunna alors qu'en fait on l'a retardé à cause du match et à cause du film non mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam on l'a retardé pour le ajr pour avoir le ajr quand on va la faire en groupe n'am dans la mosquée or des fois il l'a retardé au point Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'a gris lui disait ya Rasulallah les femmes et les enfants se sont endormis alors le prophète alayhi salam sortait de sa loge et disait parmi les habitants de la terre personne en dehors de vous ne l'attend sauf vous il a dit vous avez une grande faveur que on retarde la isha comme ça donc le témoin c'est quoi ya Rasulallah les femmes et les enfants ont dormi vous voyez que les femmes étaient là dans salat al-isha même avec leurs enfants un enfant qui à partir de 4 ans 5 ans n'am se trouve très fréquemment dans la mosquée il est avec sa mère il est avec son père il est avec sa mère à salat al-isha avec son père fi salat al-maghrib avec son père salat al-dhuhr subhanallah l'alim. Comment ne va-t-il pas s'habituer à la mosquée il va l'aimer mais laisse l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans et tu le prends à la mosquée il va rentrer yani avec peur une grande timidité un grand complexe tout le monde est en train de me voir il va te dire tout le monde est en train de me regarder n'am c'est quelque chose yani de bizarre pour lui mais l'autre non machallah à 5 ans il roulait dans la mosquée en train de rouler n'am à l'âge de 5 ans machallah allez n'am شاب نشا في عباده الله شاب نشا في عباده الله سبحانه وتعالى نعم il reste beaucoup à dire dans le chapitre de on est quoi on est toujours au en ce qui concerne sa salat en ce qui concerne sa salat je préfère inchallah ta'ala m'arrêter là en ce qui concerne sa salat le prochain numéro on est au numéro 4 Le prochain numéro 5, elle participe aux prières relatives des deux fêtes. Elle participe aux prières relatives des deux fêtes. Ensuite, je vous donne pour que vous ayez une idée du livre, je vous dis ce qu'il y aura, inchallah ta'ala, la prochaine fois, et ainsi de suite. Sixièmement, on est au quatrième mois. Cinquièmement, elle participe aux prières des deux fêtes. Sixièmement, elle accomplit fréquemment les nafilas. Septièmement, elle accomplit parfaitement sa prière. Huitièmement, elle s'acquitte de l'aumône, la zakat. Neuvièmement, elle observe le jeûne et les tarawih. Dixièmement, elle fait le jeûne nafila. Lundi, jeudi, n'am, comme demain, après-demain, Dhul Hijja. Onzièmement, elle fait le hajj. Douzièmement, elle fait la umrah. Treizièmement, elle obéit à Allah. Et bien sûr, chaque paragraphe a des pages, bien sûr. Quatorzièmement, elle évite la khalwa, c'est-à-dire l'isolement avec un homme. Quinzièmement, elle porte le voile. Seizièmement, elle évite la mixité, inconsidérée. Dix-septièmement, elle ne serre pas la main aux hommes. Dix-huitièmement, elle ne voyage pas sans mahram. Vingtièmement, elle accepte le destin d'Allah. Et 21, elle est repentante. Ensuite, elle assume sa responsabilité avec sa famille. 22, l'agrément d'Allah est sa principale aspiration. 23, elle agit selon le principe de l'adoration d'Allah. 24, elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. 25, elle est fière de sa personnalité et de sa religion. On va donner des exemples aussi.
26, sa loyauté est exclusivement vouée à Allah. Et 27, elle commande le bien, interdit le mal. 28, elle récite fréquemment le Coran. Et dans le deuxième chapitre, tout ça c'est le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, Inch'Allah Ta'ala, il y a sept choses. Elles sont très importantes. Regardez, elles se divisent A, B, C. A, son corps. 1, elle est modérée dans son boire et son manger. 2, elle pratique le sport. 3, elle est propre de corps et d'habit. 4, elle prend soin de sa bouche et de ses dents. 5, elle prend soin de ses cheveux. 6, elle a une belle apparence. 7, elle évite l'extravagance dans sa toilette. Deuxièmement, son esprit, elle développe constamment ses connaissances. 2, elle s'initie aux connaissances nécessaires. 3, elle se distingue dans le domaine intellectuel. 4, elle est loin du charlatanisme. 5, elle se consacre à la lecture. Naam, la vraie sœur, se consacre à la lecture. Naam. Ensuite, troisièmement, son âme, elle s'adonne, 1, elle s'adonne aux pratiques cultuelles. 2, elle fréquente des femmes vertueuses et assiste aux assemblées des croyants. 3, elle prononce assidûment les traditionnelles évocations, c'est-à-dire elle fait beaucoup de dhikr. Dhikr. Ça, c'est quoi? Le deuxième chapitre. Ensuite, je vous lis seulement les grands titres. Troisième chapitre, son comportement vis-à-vis de sa père et de son père et de sa mère. Quatrième chapitre, son comportement vis-à-vis de son mari. Naam. Cinquième chapitre, son comportement vis-à-vis de ses enfants. Sixième chapitre, son comportement vis-à-vis de ses belles-filles et de ses beaux-fils. Septième chapitre, son comportement vis-à-vis de ses proches parents. Huitième chapitre, comportement vis-à-vis de ses voisins. Neuvième chapitre, comportement vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Naam, il y a beaucoup de fautes ici, vous allez les voir. Dixièmement, son comportement vis-à-vis de sa société. Quand on arrivera, inshallah ta'ala, au quatrième chapitre, c'est-à-dire son comportement vis-à-vis de son mari, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 19 choses. 19 choses à dire. Chaque chose avec, yani, 2 ou 3 pages. Les choses seront, en ce qui concerne le mari, premièrement, le mariage selon les principes de l'islam. Deuxièmement, la musulmane fait le bon choix de son futur mari. Troisièmement, elle est vouée et prévenante envers lui. Quatrièmement, elle est bienveillante et déférente envers ses beaux-parents. Envers qui? Envers les beaux-parents. Non. Et cinquièmement, elle lui exprime son affection et tient à le satisfaire. Sixièmement, elle ne divulgue pas les secrets de son époux. Septièmement, elle le soutient et lui porte conseil. Huitièmement, elle l'encourage à faire l'aumône, la zakat, et à donner de l'argent, fi sabilillah. Neuvièmement, elle l'aide à adorer Allah. Dixièmement, elle assure sa satisfaction. Onzièmement, elle se fait belle pour lui plaire. Douzièmement, elle l'accueille avec joie quand il rentre et lui manifeste sa reconnaissance. Treizièmement, elle partage ses peines et ses joies. Quatorzièmement, elle est chaste de regard. Quinzièmement, elle s'abstient de lui décrire d'autres femmes. Naam, elle ne lui décrit pas les autres femmes. Seizièmement, elle lui assure tranquillité, repos et quiétude. Dix-septièmement, elle est indulgente envers lui. 18, elle est dotée de sagesse et de caractère. 19, elle est la plus accomplie des épouses. Vous allez me dire, bien sûr, où est-ce qu'on va trouver cette femme? Naam, où est la femme qui, masha'Allah, elle a toutes les qualités que je viens de citer. Ça, c'est seulement envers son mari. Qu'en est-il envers ses sœurs, envers la société, envers Inch'Allah Ta'ala, quiconque est sincère, Allah Ta'ala l'aide. Et puis si la femme n'a pas les qualités à 100%, qu'elle essaye d'en avoir à 70, à 60, à 65, à 50. Naam, qu'elle fasse des efforts pour Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et l'homme aussi fait des efforts pour avoir le vrai et le bon comportement. Naam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala aide quiconque qui est sincère. Bi'idhnillahi azza wa jal. J'arrête ici, inshallah ta'ala. Je vous donne, inshallah, 2 ou 3 minutes, l'akh muslim. Mais le Coran, inshallah ta'ala, pour que je réponde à vos questions, bi'idhnillahi ta'ala, qui ne dépasseront pas
إن شاء الله تعالى أون أور. تفضل إن شاء الله تعالى مي لو كورون بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. فيه صوت؟ واش مي سوي ديكونيكتي والله أعلم. نعم الحمد لله. نسيبه إن شاء الله. طيب غوندي توال تفضلي مسلم بريبار توا عليه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, est-ce que les questions posées, Inch'Allah, c'est juste sur le sujet d'aujourd'hui? Ah non, question libre. Barakallahu fikoum. Donc, question libre, Inch'Allah, n'importe quel sujet. Et une seule question par personne. Inch'Allah, préparez vos questions en avance. Barakallahu fikoum. Une grande étoile, on n'a rien reçu, Inch'Allah, envoyez-la moi en PV. Barakallahu fikoum. Non, je répète, Inch'Allah, c'est une seule question par personne. Cher, sinon pour l'instant, passez à Abou Moussa parce que j'ai toujours rien reçu. Pour pas perdre de temps, Inch'Allah. Assalamu alaikum. J'aimerais savoir, pour l'Aïd, le fait de sacrifier un veau en l'achetant à plusieurs personnes, mais pas de la même famille, est-ce autorisé ou pas? Et si oui, combien de personnes par veau? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La réponse, je ne suis pas très sûr de la réponse. Abou Moussa, je ne suis pas très sûr de la réponse. C'est pour ça, inshallah ta'ala, je te donne l'occasion de poser une autre question, inshallah ta'ala. Naam. Car je ne suis pas très sûr de la réponse. Pose, inshallah ta'ala, une autre question. Le temps que on passe à le musulman, l'autre musulman de France. Tfadlan. Je sais que la vache c'est 7. Reste le veau, je ne sais pas exactement. Et j'aimerais savoir, dans le cas où la femme doit aller à l'hôpital et que l'hôpital lui dit qu'il n'y a pas de médecin femme, la femme accepte de voir un médecin homme sans faire l'effort de chercher réellement s'il y a des médecins femmes chez eux. Sachant que dans les hôpitaux de France, ils font exprès de dire aux musulmanes qu'il n'y a pas de femmes pour les embêter. Non. En ce qui concerne le veau, on revient toujours à la veau. Le veau, ce n'est pas obligé qu'on soit de la famille. Ce n'est pas obligé qu'on soit de la famille. Non, j'ai dit que je doutais seulement sur le nombre. Mais ce n'est pas obligé d'être de la famille. Quant à l'hôpital, la femme doit faire des efforts. La femme doit faire des efforts, ne pas s'exhiber devant un homme. Non, elle doit faire des efforts, sauf si elle sait que si elle ne se fait pas ausculter, c'est grave pour elle. Non. Quand elle sait que si elle ne se fait pas ausculter, c'est grave pour elle et elle va avoir vraiment des problèmes. Là, elle est dans la daroura. Mais si elle sait que, yani, en voiture, elle peut aller à droite, à gauche pour trouver un hôpital où il y a la femme, elle doit aller chez la femme. Elle fait les efforts pour aller chez la femme, surtout que si on fait ça pour l'embêter. Surtout si on fait ça pour l'embêter. Naam. Tayyib, dis celle de grande étoile, Inch'Allah. Salam alaikum. Quand je vais au Mejid, je vois des fautes qui annulent la prière. Comme regarder partout dans le Mejid ou prier comme une poule qui picote, qui picore. Dois-je leur parler en sachant qu'elles risquent de s'énerver sur moi? Si la question est finie, Inch'Allah, il faut toujours penser à taper numéro 1. Ahyakallah, Cheikh, wa barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, quand on voit une chose qui n'est pas conforme à la sharia, quand on voit une chose qui n'est pas conforme à la sharia, on essaye, car la responsabilité nous incombe, on essaye de corriger les fautes des gens, mais il faut faire cela avec sagesse, car pas tout le monde accepte, surtout si on lui parle tout en montant sur nos grands étalons. Il n'accepte pas. Si tu te montres que tu es alim et lui ignorant, il n'accepte pas de toi. Mais si tu te mets à son niveau, tu lui dis jazakallahu khair, juste une petite nasiha, tu fais une faute que moi aussi je faisais, etc., juste pour, Inch'Allah ta'ala, pour que
on apprenne le dîn, etc. Car moi aussi, je ne connais pas grand-chose. Mais juste pour t'apprendre ce que je sais, voilà, j'ai entendu les ulama dire ceci, cela, avec hikma et sagesse. Naam, il accepte. Mais si tu lui parles d'une façon yani, qui en même temps le blesse, il n'accepte pas. Et quand quelqu'un fait la da'wa à Allah, subhanahu wa ta'ala, il met dans sa niya qu'il veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. Ça veut dire que quand je termine, ils vont s'énerver sur moi, etc. Tout ça, je dois l'accepter. Allah ta'ala dit wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Il a dit, prends le bien, blâme le mal, et tout de suite il a dit, et patiente à ce qui t'arrive. Car lorsque tu prends le bien, tu blâmes le mal, on ne va pas te donner des gâteaux, ni t'inviter à une fête. Mais on va te dire des choses qui ne vont pas te plaire. C'est pour ça que ça rentre dans quoi? Dans la patience, ça rentre dans les grandes récompenses, le fait de patienter quand on fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Un musulman de France, tafadhali. Non, on n'a rien reçu. Envoyez-les-moi en PV, Inch'Allah. Faites un copier-coller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette année, je suis en première année de DUT. On m'oblige à retirer mon hijab. De plus, mes parents me mettent la pression. Que faire? Barakallahu fikoum. Yani, cher, le DUT, si vous savez pas c'est quoi, c'est à la fac. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Retirer le hijab ou là le djilbab pour une femme, c'est l'un des plus grands péchés. C'est l'un des grands péchés et des vraiment des grands. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Naam. Surtout celle qui l'a mis, qui l'a enlevé. Elle est plus grave que celle qui ne l'a pas encore mis. Subhanallah al-Azim. Il y a une grande différence entre celui qui n'a pas commencé la prière et celui qui a commencé ensuite, il la laisse. Celui-là, yani après avoir connu le vrai, le bien, il s'en détourne. Subhanallah al-Azim. Celle qui n'a pas mis le djilbab ou le hijab, elle n'est pas encore convaincue qu'Allah la guide. Elle est dans la grande faute, mais celle qui l'a mis, ensuite l'a enlevé, ça c'est vraiment une grande, grande faute. Naam. Donc, la sœur doit se mettre dans la tête que tu le retires qu'à l'entrée. Ensuite, quand tu le retires à l'entrée, ça veut dire que tu rentres sans le hijab. Ça veut dire qu'il y a des hommes à l'intérieur qui vont te voir sans le hijab. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui vont voir tes cheveux, qui vont voir tes bras, vont voir ceci, vont voir cela. Exactement, na'am. Et ça, c'est un grand péché. Moi, la faculté qui va m'empêcher d'entrer au paradis, je n'en ai pas besoin. Moi, la faculté qui va me donner la malédiction d'Allah, je n'en ai pas besoin. Na'am. Toute chose qui va me ramener la malédiction d'Allah, moi, je m'éloigne d'elle. Je m'éloigne d'elle, na'am. J'essaie de faire mon possible, comment trouver la solution. Quand je trouve pas la solution, je choisis entre Allah, entre la dunya. Je choisis entre Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il m'a promis, et entre la dunya. Naam. Aucune personne n'a le droit, naam, d'obéir à ses parents en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne les ordres d'Allah ta'ala, surtout des choses très très primordiales comme la salat, comme le hijab, comme la zakat, comme le hajj, ces grandes choses-là. Naam. Personne n'a droit d'obéir à ses parents. Obéir à ses parents deviendrait quoi? Deviendrait de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, mes parents ne veulent pas le hijab, ne veulent pas le djilbab. D'accord? Alors, je ne vais plus sortir de la maison. Classe, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui. Ou il me dit tu sors, je ne sors jamais. Classe. Vous voulez pas que je mette, moi je ne sors pas comme ça. Donc je suis prête à rester dans la maison jusqu'à ce que je me marie. Non, je vais me sacrifier. Je vais leur montrer comment yani, ils veulent m'imposer leurs lois, des lois qui sont à l'encontre de l'islam. Non. Ou bien je cherche comment, non, comment me marier vite et sortir de cette prison. Non, car une femme qui vit des conditions pareilles, elle est vraiment dans la prison. Elle essaye, naam, au maximum, comment faire vite pour se marier et pour quitter ce lieu infernal. Ensuite,
elle ne se laisse pas guider facilement par les parents. Il faut que quoi? Est-ce que les parents sont musulmans, musulmans de France? Est-ce que les parents sont musulmans ou pas? Non, c'est ça le problème. S'ils n'étaient pas musulmans, elle se serait sauvée. Elle aurait été allée vivre chez une sœur ou là jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui ouvre la porte. Toi aussi, Inch'Allah Ta'ala, tu dois faire la pression sur les parents. Comme eux, ils font et ils sont dans le faux. Toi qui es dans le vrai, tu dois faire la pression et montrer que tu pleures, que tu vas tomber malade, que ceci, que cela, qu'ils sachent que ce que tu veux, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de sérieux. Tu n'es pas en train de plaisanter ni de jouer. Non, c'est quelque chose qu'ils doivent, le père et la mère, tu dois leur faire des problèmes au point où ils vont se réunir et décider d'une chose. Ils vont dire vraiment celle-là, yani, elle risque de je ne sais pas quoi. Ils auront vraiment peur et seront obligés de voir comment te ravir. Naam. Ou alors, ou du moins te dire de t'habiller, de rire. Naam. Mais si tu ne fais rien, tu les laisses comme ça guider. Tu dis, là, c'est mon père, ma mère, je me tais, je dis rien. Ils vont en faire pression. Chaque jour, plus de pression sur toi. Naam. Il faut montrer ta présence. Je suis là, il y a l'islam. Naam. Il y a l'islam que je dois appliquer. Alors, vous ne voulez pas, laissez-moi me marier. Mariez-moi. Et je suis libre, je ferai ma vie comme je veux. El Muslim a fait beaucoup de doigts, Nous, Inch'Allah Ta'ala, on te fait des doigts pour qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui a tous les cœurs entre ses doigts, pour qu'il imprègne les cœurs de tes parents de foi et les remplisse de foi et les raffermisse, et pour que, yani, il t'ouvre les portes de l'obéissance, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Fais beaucoup de doua, patiente et fais beaucoup de doua jusqu'à ce que Allah Ta'ala t'aide. Si tu es sincère, il va t'aider. Naam. Fidmini, tafadhal. Salam alaikum, cher. Pouvez-vous nous expliquer le hadith? Can you ha yadduhu biha? Quand doit-on bouger l'index et quand doit-on le garder fixe? Ahsan. Allah alaykoum wa jazakumullahu khaira. Est-ce que, Fidmini, est-ce que tu parles de la salat et dans le teshahoud, c'est ça? Est-ce que tu parles dans la salat et le teshahoud? Est-ce que c'est ça? Écris numéro 1 si c'est ça. Naam. Quant à toi, un muslim, je crois que c'est toi qui lis les questions. Quant à toi, quand tu lis les questions et tu lis l'arabe phonétique, il n'y a aucune différence entre le chinois et ce que tu lis. Naam. Ibn al-Qayyim. Ah, hayakallah, Ibn al-Qayyim. Naam. Moi, je dis celui-là, j'ai un chinois dans le salon. Ah, ching chong mi ha chong chong chipe. Naam, ça m'étonne. Je dis, c'est quelle langue? Al-Muhim, jazakallah khairan pour les efforts que tu fais. Je disais, chong ching chong chong. Alors, naam, dans la salat, Inch'Allah Ta'ala, quand on s'assoit, Fidmini, écoute-moi, Inch'Allah Ta'ala, quand on s'assoit, et on fixe le doigt vers la Qibla, l'index. On le fixe vers la Qibla. Naam. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une seconde. Ensuite, on commence, lorsqu'on dit Tahiyatu Lillah, Zakiyatu Lillah, dès qu'on dit Tahiyat, on commence à faire bouger le doigt qui est en train d'être fixé vers la Qibla, on le bouge. D'en haut vers le bas. Un petit peu. On ne descend pas beaucoup, on ne monte pas beaucoup. Juste un petit peu, comme ça, assez rapidement. Tac, 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 tac. Jusqu'à ce qu'on termine la salat. C'est-à-dire, on ne fait pas, comme font les innovateurs, quand ils arrivent à Shahadu la ilaha illallah, ils s'arrêtent. Ils ne bougent plus. Ils disent Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammadan Abdul Rasul, ils l'arrêtent. Non. On ne l'arrête pas du début jusqu'à la fin. Même quand on termine, on est en train de faire les doua, on dit Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. On est toujours en train de le bouger en le pointant vers la Qibla. Ensuite, on arrête quand on dit salam alaykoum,
السلام عليكم. Toute la tahiyya, naam, toute la tahiyya c'est une doua. Naam, toute la tahiyya. J'oublierai pas de dire aussi que, une chose très importante, c'est que quand on est en train de bouger le doigt du haut vers le bas, comme j'ai dit, on ne descend pas beaucoup, on ne monte pas beaucoup. Juste on le fait bouger sur place comme ça un peu. Quand on est en train de le faire bouger et de le pointer, car on fait deux choses à la fois. On le pointe et on le bouge. Et on ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Je voulais ajouter que on doit regarder le doigt. Notre regard est basé sur le doigt. Naam, on ne regarde pas où on fait le sujoud. Mais on regarde le doigt jusqu'à ce qu'on dise salam alaykoum. Fidmini, est-ce que c'est compris ou là il y a autre chose? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Naam. Abu. Naam, j'ai eu la question en PV. Assalamu alaykoum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Vous nous avez beaucoup manqué et nous sommes contents de vous retrouver. Mes parents ont beaucoup de mal à accepter ma façon de vivre dans ma religion. Pourtant, ils font la prière, alhamdoulilah, mais pour eux, je suis dans l'extrémisme, l'intégrisme. Depuis que je leur ai annoncé mon départ au Hajj, ma mère ne veut plus me parler. Quand je l'appelle, elle est froide. Je l'ai appelée pour lui dire que je voulais passer les voir avec mon mari et mon fils avant de partir, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas me voir, que ça ne servirait à rien, car je ne l'avais jamais écoutée et qu'elle était malade à cause de moi. Que dois-je faire? Comment me comporter avec eux? C'est une sœur, Allahu a'lam, vu qu'elle a dit avec mon mari. Assalamu alaykum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Vous nous avez beaucoup manqué et nous sommes contents de vous retrouver. Mes parents ont beaucoup de mal à accepter ma façon de vivre dans ma religion. Pourtant, ils font la prière, alhamdulillah, mais pour eux, je suis dans l'extrémisme, l'intégrisme. Depuis que je leur ai annoncé mon départ au Hajj, ma mère ne veut plus me parler. Quand je l'appelle, elle est froide. Je l'ai appelée pour lui dire que je voulais passer le voir avec mon mari et mon fils avant de partir, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas me voir, que ça ne servirait à rien, car je ne l'avais jamais écoutée et qu'elle était malade à cause de moi. Que dois-je faire? Comment me comporter avec eux? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Adam, pardon, Abu Adam. Est-ce que tu m'entends? Écrit numéro 1 si tu m'entends. Naam. Alhamdulillah. D'abord, faudrait-il que tu saches, inshallah ta'ala, que yani, quand on veut aller au Hajj, personne n'a le droit de nous en empêcher. Naam. Au point où la femme en islam, si son mari n'accepte pas qu'elle aille au Hajj, elle va sans son consentement. Pour celles qui ne savent pas, pour les sœurs qui ne savent pas, prenez cela. La femme, si elle veut aller au Hajj, son mari lui dit non, elle lui dit d'accord, d'accord. Elle le laisse rentrer dans la chambre, elle prend sa valise et elle part. Naam. Bien sûr, quand elle a un mahram, elle a son frère ou là son père ou là qui l'emmène. Naam. Pourquoi? Il n'a pas le droit de l'empêcher. Car l'empêcher du Hajj reviendrait à ce qu'il l'empêche aussi de la salat. Et à ce qu'il l'empêche aussi de quoi? De la zakat. Naam. Mais elle lui demande pas son avis. Elle lui apprend qu'elle va partir au Hajj. C'est tout. Pour qu'il dise pas subhanallah, où est ma femme? Je me suis réveillé, je ne l'ai pas trouvée à la maison. Mais elle lui apprend, c'est tout, que cette année, elle ira à l'Hajj. Maintenant, même s'il dit non, elle part. Car obéir à Allah est bien avant l'obéissance du mari. Deuxièmement, le fait qu'elle dise que tu es intégriste ou c'est un délit que tu es dans le vrai islam. Nous tous, quand on a commencé, on a eu le problème avec les parents. Naam, des mois sans se parler. Pourquoi? Ils faisaient même des doua, nous croyant qu'on était devenus fous. Naam. Celui-là, miskin, khlas, il est rentré dans le din. Allah yahdi, faites-lui des doua, inshallah, il est malade pour qu'il guérisse. Il va devenir fou, je ne sais pas quoi, il a perdu la raison. Et la même chose, on l'a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on dit ça de toi, c'est un délit que tu es dans le vrai chemin. Car, quand quelqu'un ne pratique pas l'islam, s'il est content de toi, etc., ça veut dire que tu n'es pas dans le vrai islam. Ça veut dire que tu ne pratiques pas comme lui. Mais maintenant que tu l'as
tu es dans le chemin opposé, c'est une preuve qu'il ne va pas être content de toi. Naam. Et il va te faire des problèmes et il va dire des choses de toi. Donc toi, inshallah ta'ala, tu n'as fait que obéir à Allah ta'ala. Et ta mère, tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire lui dire que je vais passer pour te voir, etc. Elle n'accepte pas Allah ghalib. C'est elle qui est dans la faute, c'est pas toi. Elle n'accepte pas. Surtout à cause que tu as eu au hajj, c'est de sa faute. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller au hajj? Impossible. Si c'était un deuxième hajj, d'accord. On dit, c'est une nafila, c'est pas la peine d'y aller, va chez ta mère, c'est mieux. Mais ça, c'est le premier hajj. Il est obligatoire, c'est un pilier. Naam. Tu vas au hajj et tu fais beaucoup de doua à ta mère. Et quand tu reviens, la même chose. Tu téléphones ou là tu vas chez elle et tu vois. Si elle t'accepte, elle t'accepte. Si elle ne t'accepte pas, tu t'en remets à Allah Ta'ala. La faute est venue d'elle. Elle n'est pas venue de toi. Et mieux encore, je te conseille, mieux encore, ne te suffis pas au téléphone. Avant de partir, naam, prends ton courage à deux mains et frappe à sa porte et rentre. Maintenant, si elle accepte, elle accepte. Si elle n'accepte pas, devant Allah Ta'ala, il est témoin que tu es allé chez elle et qu'elle ne t'a pas parlé ou là, elle t'a, pardon du mot, elle t'a craché sur la figure ou là. Tout ça, ce n'est rien. Naam, l'essentiel, tu as ravi Allah Ta'ala et tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc, sois rassuré, Inch'Allah Ta'ala, ton hajj n'a rien à voir avec yani, son mauvais comportement à elle, pas à toi. Naam. Tafadlali, Adam, est-ce que c'est compris ou là, autre chose? Alhamdulillah, fik barakallah. Hassan, tafadlali, Hassan. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Est-il permis de retarder la salat pour une quelconque raison? Par exemple, si on a rendez-vous chez le médecin ou autre. Et quel est le jugement de celui qui la retarde sans raison valable? Sa salat est-elle acceptée? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Retarder la salat pour une raison quelconque, cela dépend, qu'est-ce que ça veut dire retarder? Est-ce que c'est retarder de 10-15 minutes ou bien la retarder jusqu'à ce qu'elle sorte de son moment? Naam. Écoutez bien ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Lorsqu'il a dit, en parlant de qui? En parlant de ceux qui retardent la salat justement. Et non pas en parlant de ceux qui ne la font pas. Non. On va parler, Allah Ta'ala a parlé dans ce verset, de ceux qui quoi? Qui retardent la salat. Naam. Regardez ce qu'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le Coran. Il a dit... فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Tout le monde connaît le verset sourate Al-Ma'un. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَيْلٌ, c'est un grand châtiment qui attend en enfer. À qui? الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Pour ceux qui retardent leur salat. Sans excuse. Naam. Alors Allah Ta'ala n'a pas parlé de ceux qui ne font pas la prière. Ceux qui ne font pas la prière, le hadith est clair. Il a dit, il est kafir celui-là, khlas. Il est devenu mécréant. Maintenant, on parle de celui qui l'a fait et qui la retarde sans raison. Sans raison. Salat al-Dhuhr, il la laisse jusqu'à la nuit. Salat al-Asr, jusqu'à la nuit. Le Maghrib, il l'a fait après l'Isha. L'Isha, il s'endort, il l'a fait le matin. Celui-là, Allah Ta'ala lui dit, toi, tu n'as pas estimé ma valeur. Tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer. Alors il lui a dit, il y a un châtiment qui t'attend spécialement pour avoir retardé des salats sans excuse. Mais quand on retarde une salat, par exemple le dhor, supposons que le dhor soit à 13h, je la retarde une demi-heure ou la 40 minutes à cause des enfants ou là, ce n'est pas grave parce que j'ai encore 1h30 devant moi ou 2h. Mais laisser le dhor jusqu'à ce que vienne le asr ou l'Asr jusqu'à ce que vienne le Maghreb, c'est un grand péché. Mais, quand on va chez le médecin ou autre, qu'est-ce qu'on fait? Et on a peur qu'on ne va pas trouver où faire la prière là-bas, on groupe entre les deux salates. J'ai un rendez-vous chez le médecin, par exemple, à 15h. Naam. Et salat l'Asr, c'est par exemple à 14h50. Comment je fais? À 15h,
je dois être chez le médecin. Et Salat al-Asr n'est pas encore rentré. Chez le médecin, je ne peux pas faire la salat. Quand je reviens ici, il sera 18h. Il n'y a plus l'Asr. Comment je fais? J'avance ma salat de Asr. Quand c'est la salat de Dhuhr, je termine le Dhuhr, j'avance aussi le Asr. Je fais l'Iqama de nouveau, Allahu Akbar, Qad Qamat Salat, et je fais l'Asr avec. Et je pars chez le médecin. Ensuite, quand je reviens le soir, khlas, j'ai fait l'Asr. D'ailleurs, je suis revenu tard. Naam. Quand on sait, on voit qu'il n'y a pas de solution, je regroupe les deux salats quand j'ai une excuse valable, comme médecin, comme je ne sais pas quoi, un rendez-vous très important, et il n'y a pas l'endroit où je peux faire la salat. Alors, je regroupe mes deux salats. Naam. Est-ce que c'est compris, Inch'Allah? Non, reste la dernière chose, pour une personne qui la retarde jusqu'à ce qu'elle sorte de son moment, sans excuse, je donne un exemple. Par exemple, c'est Salat al-Dhuhr. Je viens de voir l'heure, il est 13h. Il est 13h, par exemple, c'est Salat al-Dhuhr. Et le Asr, c'est à 15h, par exemple. Maintenant, je suis à la maison, je dis, laisse, je ne fais pas la Salat maintenant, je la ferai la nuit, ou là, je la ferai avec l'Asr, et je vais m'endormir. Cette personne, ce n'est pas la peine qu'elle refasse le Asr quand elle va s'éveiller, se réveiller. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Car elle ne sera pas acceptée. Naam, elle ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce que elle l'a fait sortir sciemment, sans aucune excuse. Elle a dit, je la fais après. Elle l'a fait sortir de son moment. Ce n'est pas toi qui commandes, c'est Allah qui commande. Il t'a donné un laps de temps. Il te dit, fais la prière entre 7h et 7h, au milieu, à l'avant. Mais ne la laisse pas sortir. Toi, tu dis non, je la laisse sortir, après je la fais. La Ta'ala te dit, moi je n'accepte pas. La prière est une adoration momentanée qui a des moments. Tu ne peux pas la faire avant l'heure, tu ne peux pas la faire après l'heure. Maintenant, ici au Koweït, il est 23h30. 23h30. Si maintenant je vais faire la prière du Sobh, ça ne va pas être accepté. Pourquoi? Je l'ai faite avant l'heure. Et la même chose, si je vais faire Salat al-Sobh à 8h du matin, elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que je l'ai faite après l'heure. La prière n'est pas acceptée avant l'heure et n'est pas acceptée après l'heure. Elle est acceptée en son heure. En son heure. Naam. Sauf pour excuse. Pour excuse. Je me suis endormi, j'ai mis le réveil pour sonner, il n'a pas sonné, ou bien je ne l'ai pas entendu, je me suis réveillé à 8h ou à 9h. Je suis excusé. J'ai fait le réveil pour sonner, je ne l'ai pas entendu. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai éteint sans faire exprès. Je suis excusé. Mais dire non. La nuit, dire, moi je m'en fous. Je m'endors. Et quand je me réveille, je fais la prière. Je m'en fous. N'importe quelle heure, je fais la prière. Ceci n'est pas accepté. Naam. Tayyib, on va, inshallah ta'ala, au prochain. Abu Abdurrahman 95, tafadhal. Fiki barakallah. Cheikh, salam alaykoum. Vous nous avez manqué, un frère demande un conseil. Que faire au moment où il veut faire un péché pour ne pas le faire? Et notre question, c'est quand de la Hijja? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair à tout et à toutes auxquelles j'ai manqué, car vous aussi, inshallah ta'ala, vous m'avez manqué. Naam. En ce qui concerne quand quelqu'un veut faire un péché, qu'il se rappelle qu'Allah Ta'ala est en train de le voir et que Allah Ta'ala va être courroucé de lui. Et que, après avoir fait le péché, il risque de mourir. On ne sait jamais. Naam. Il ne faut pas faire comme les gens qui disent je vais vivre jusqu'à 90 ans, 95 ans. Ne dites pas cela. Tu peux faire le péché. Et c'était écrit que juste après le péché, tu allais avoir un problème cardiaque. Et tu mourrais sur un péché. Surtout le grand péché. La zina, la fornication, ces choses-là. A'oudou billah. Donc, à chaque fois que notre shaitan nous dit fais le péché, dis-lui, dis à ton nefs et à ton shaitan. D'accord, mais donne-moi une garantie que je vais vivre pour faire le repentir. Donne-moi une garantie, vite. Allez, garantis-moi, inshallah ta'ala, et je vais le faire.
Et ensuite, tu lui dis, et donne-moi une deuxième garantie que quand je vais faire le repentir, qu'il va être accepté. Va, monte, dit au shaitan, monte vite, va lire dans la table préservée, va lire chez Allah qu'est-ce qu'il a écrit. S'il a écrit que je vais vivre et qu'il va accepter le repentir, d'accord, je vais faire le péché. Non. Il faut toujours se mettre dans la tête que, attention, ce péché va m'apporter beaucoup de malheur. Et vous savez que le péché apporte toujours les malheurs. Naam. Les malheurs avec le mari, avec les enfants, au travail. Mais nous, on ne fait pas la relation. On se dit, subhanallah l'adim, pourquoi il y a ceci, cela? Il y a ceci, cela, à cause des péchés qu'on fait. Zahara al-fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah Ta'ala dit, fa bima kasabat aydikum. Et les salafs, quand ils montaient sur leur monture, elles ne voulaient pas marcher, ils descendaient du chameau et demandaient à Allah Ta'ala de leur pardonner. Ils disent, c'est sûr que hier j'ai dû faire quelque chose pour que Allah Ta'ala n'a pas voulu que ma monture marche. Car c'est Allah Ta'ala qui commande la monture. C'est pas toi qui la commande. Qui a arrêté l'éléphant? L'éléphant qui a voulu détruire la Kaaba. Qui l'a arrêté? Hein? Vous disiez tout ça, sortez le fil. Qui a arrêté le fil? Le fil, l'éléphant. Qui l'a arrêté? C'est Allah Ta'ala qui l'a arrêté. Ici, il t'a arrêté la monture. Pourquoi? Descends et réfléchis. La même chose quand tu es en voiture et tu as la panne comme ça. Réfléchis, dis qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que j'ai dû faire hier? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Avec qui je me suis assis? Et quand tu te rappelles, fais la tawba. Et tu verras que la chose, Inch'Allah Ta'ala, va marcher de nouveau. La chose va marcher de nouveau. Naam. Et plus on fait des péchés, plus notre cœur devient noir et durci. Et s'il durcit, tu ne vas plus avoir peur d'Allah Ta'ala. Khlas, il est noir, caillou, un rocher. Tu as un rocher à la place du cœur. Tu dis n'importe quoi. Tu insultes Allah, ça ne te dit rien. Off, tu dis maintenant, off, tout le monde fait ça, off. Naam. Et plus, masha'Allah, tu es pieux, plus tu ne fais pas les péchés, plus tu t'en éloignes, plus Allah Ta'ala descend de la lumière sur ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne blanc comme la neige, comme le lait. Et alors, s'il est comme ça, si tu veux faire un petit péché, tu as peur. Et tu ne dormiras pas la nuit. Si tu te trompes et tu le fais, un petit péché, pas le grand. Tu ne vas pas dormir la nuit. Ouf, 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 ouf. À chaque fois, tu te retournes à droite, tu lis un peu, tu ne peux pas. Ouf, à gauche, astaghfirullah, astaghfirullah. Et tu ne peux pas. Pourquoi? C'est ça le délit de la foi. Quand tu n'as pas la foi, quand on n'a pas la foi, on fait la fornication et tu dors tranquille. Tu dis, ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne te vient même pas à l'idée que tu as fait quelque chose. Et quand tu as la foi, tu regardes seulement une femme avec tes yeux seulement, avec désir, tu ne dors pas la nuit de la faute que tu viens de faire. Allah subhanahu wa ta'ala an yuqawiya imanana. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala an yuqawiya imanana. Et Dhul-Hijja, nous sommes le premier Dhul-Hijja. Abu Abdurrahman 95. Aujourd'hui, c'est le premier Dhul-Hijja. Et ici au Koweït, dans 20 minutes, on sera le 2 Dhul-Hijja. Naam. Wallahu ta'ala azza wa jal a'lam. Minhajul haqq. Tafazzali. Ou tafazzal. Salam alaikum Yachir. Quelqu'un me demande en PV de poser une question urgente. Puis-je la poser et ensuite la mienne, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah wa tubu. Minhaj al-haq. Hier, je ne sais pas si tu étais avec nous, j'ai dit que quand quelqu'un nous dit j'ai une question à poser en PV, tout le monde peut dire alors pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je n'envoie pas une question en PV et je la fais passer sans faire ce qu'on appelle sans attendre mon tour? Naam, tout le monde dit moi aussi j'ai une question urgente. Vous voyez, c'est écrit urgent. Il n'y a jamais une personne qui dit ma question n'est pas urgente. Tout le monde dit ma question est la plus urgente ici. Aujourd'hui dans le cours, ma question est la plus urgente. Puis-je la poser? Naam. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Minhajul Haqq? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Naam. En principe, non. En principe,
Non, mais je ne sais pas. Peut-être qu'elle est très urgente, la question. Je ne sais pas. Pose d'abord la question. Ensuite, on va voir si tu as le droit de poser toi ta question. Commence par la question, Adil, urgente, Adil. Ah, c'est vraiment urgent. Inch'Allah ta'ala, pose-la. La question, c'est de savoir à partir de quel moment on peut débrancher les machines qui aident à la respiration, sachant que c'est un coma irréversible. Elle est dans le coma maintenant. Donc je répète la question, Inch'Allah, quand elle est finie, tapez numéro 1. La question, c'est de savoir à partir de quel moment on peut débrancher les machines qui aident à la respiration, sachant que c'est un coma irréversible. Elle est dans le coma maintenant. Entre autres, c'est aider une personne à mourir. Allahu a'lam. Walaykoum salam, rahmatullah. Moi, j'ai une question aussi que je pose. Qu'est-ce qu'on gagne quand on arrête les machines? Quand on les débranche, qu'est-ce qu'on gagne? Naam. J'attends, inshallah ta'ala, la réponse. Je veux dire, pourquoi ils veulent débrancher les machines? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce que c'est payant, par exemple, c'est très cher, etc. Qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi on ne laisse pas la machine jusqu'à ce que la personne meure? Naam. Pourquoi? C'est ça la question. Est-ce que Minajul Haq, est-ce que vous avez la réponse? Naam, mais pourquoi on débranche? Pourquoi on n'attend pas qu'elle meure? Pourquoi? Voilà la question. Pourquoi? Là, je sais que son coma, elle n'a plus de chance de survivre, ça. Mais pourquoi je vais débrancher? Pourquoi je ne laisse pas jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle est morte? Pourquoi? J'attends la réponse. Naam. Les ulama disent, les savants disent, non, les savants disent, il y a une mort qu'on appelle cérébrale, non, de façon à ce que tout s'arrête en elle, quand tout s'arrête en la personne, et qu'elle est morte cérébralement. Son mort, son cerveau ne peut plus fonctionner, ni ne peut refonctionner de nouveau. Tout est arrêté chez elle, elle ne vit qu'avec la respiration. Dans ce cas, ils ont dit, on peut retirer les machines. Non, on peut fermer, la débrancher les machines, car cette personne n'est en train de vivre qu'avec yani, ce qu'on lui donne comme air. Sinon, elle serait morte déjà. Dans ce cas, ils ont dit, on peut débrancher la machine, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non, car il y a deux avis des ulama dans cette chose. Non. Tayyib, minhajul haq. Et toi, où est ta question, inshallah? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dans quelles conditions la femme qui prie chez elle peut-elle retarder la salat et l'Isha? Entre parenthèses, peut-elle accomplir sa prière juste avant d'aller se coucher? C'est-à-dire quand celle-ci a fini ses tâches ménagères, de s'occuper de ses enfants, son mari, etc. Barakallahu fikum ya shir. Pour que je comprenne bien, donne-moi l'heure de Salat l'Isha. Quand est-ce qu'elle commence? C'est quand le adhan de Salat l'Isha? Naam. Et donne-moi quand est-ce que c'est Salat l'Maghrib. Donne-moi les horaires. Salat l'Maghrib, quand est-ce que ça commence? Salat l'Isha, quand est-ce que ça commence? Et prépare-toi à compter avec moi. On va faire un calcul. Quand on termine le calcul, je vais te dire combien elle peut retarder la salat. Fadli, donne-moi les horaires. Maghrib et Isha. Naam, et Isha? Je vois pas la Isha. Elle n'a pas encore écrit la Isha. Vous la voyez? 18h20. Tayyib, 18h20, 16h50. Minhajul Haq, compte avec moi. Compte avec moi, inshallah ta'ala. Naam. On va compter à partir du Maghreb. Ça? Naam. Attendez, attends une seconde, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter. Naam. Je voulais dire, donne-moi maintenant Salat al-Sobh, pardon. Naam. Donne-moi Salat al-Sobh, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Al-Fajr. Salat al-Sobh, c'est à quelle heure? On va compter de 16h50 jusqu'à Salat al-Sobh. Naam, naam. 7h19, masha'Allah. 7h19, masha'Allah. Vous êtes vraiment gâtés, hein? Je vais dormir jusqu'à 7h19. 7h19, c'est... Subhanallah, c'est très loin. Al-Muhim.
On va compter, Minajul Haq compte de 16h50 jusqu'à 7h19, combien il y a d'heures. Moi, je vais compter, disons, de 17h, pour que ça soit facile. De 17h à 7h19, combien qu'il y a d'heures? Donnez-moi les heures. 14h30. 14h30. De 17h à 7h. 18, 19, 20, 21, minuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai trouvé 12 heures. Moi, j'ai trouvé 12 heures et quelques. Je vais répéter, Inch'Allah ta'ala. Disons de 17 heures. Il est 17 heures. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Naam, 14 heures. Naam. 14 heures, combien? Disons 14 heures 29. 14 heures. 14 heures et combien de minutes? 29. Ça. 14 heures 29. Maintenant, entre Salat al-Maghrib et Salat Subh, 14h29, c'est la nuit. Ça, tout ça, c'est la nuit. La nuit commence à Salat al-Maghrib et se termine avec Salat Subh. 14h29 de nuit. La moitié, disons 14h30. Disons 14h30. La moitié de 14h30, c'est combien? La moitié de 14h30, c'est 7 minutes. Pardon, c'est 7 heures. 7h15 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 7h15 minutes, ça. Et vous savez que Salat al-Isha se termine à la moitié de la nuit. Salat al-Isha se termine à la moitié de la nuit. On va chercher maintenant la moitié de la nuit. Pour faire la moitié de la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 7h15, on va l'ajouter à Salat al-Maghrib. Donc comptez avec moi, Salat al-Maghrib c'est à 16h50. À 16h50, on va lui ajouter 7h15. Ça donne combien? De 16h50, Salat al-Maghrib, on va lui ajouter 7h15. Ça donne quoi? Ça donne 0h5 minutes. Naam, ça donne 0h5 minutes. Donc, Minajul Haq, si jamais tu laisses la salat jusqu'à 0h5 minutes et que tu la fais pas exprès, ce n'est plus la peine de la faire. Elle ne sera pas acceptée car tu as fait sortir Salat al-Isha, tu l'as fait sortir de son moment. Mais maintenant, Masha'Allah, tu as beaucoup de temps. Tu as depuis combien? 18h20. Regarde Salat al-Isha, tu as depuis 18h20 jusqu'à 0h05. Naam. Naam. Donc tu peux la faire à 19h, à 20h, à 21h. Tout ça, c'est Salat al-Isha. Mais ne la laisse pas beaucoup s'approcher de 0h. Car 0h5 minutes, là, ça est terminé. Tu as donc jusqu'à 23h à peu près. Jusqu'à 23h, Naam, 22h30, 23h. Et tu fais Salat al-Isha. Tout cela est accepté. Bi-idhnillahi azzawajal. Naam. Tayyib. Et bien sûr, celui qui l'a fait en son premier temps est mieux. Naam. Plus on l'a fait en premier temps, plus c'est mieux. Sauf si on est à la mosquée. Sauf si on est à la mosquée. Et on la retarde à cause d'un dars ou quelque chose. Quand on est à la maison, plus on fait la prière en son premier temps, plus on a des ajr. Plus on la recule vers la fin, plus les récompenses commencent à descendre. Et naam, les récompenses commencent à se minimiser. Mais si on arrive à la dernière heure, là c'est terminé. Ce n'est plus la peine de la faire. Taïb. Salama 57. Tafazali. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Est-ce qu'une femme peut donner des cours de akida, de croyance ou autre, entre parenthèses, dans une mosquée ou chez une sœur, en suivant un livre, sachant qu'elle n'a pas de tezkiya? Et pour le livre de ce soir, pouvez-vous me donner l'éditeur, car j'aimerais l'acheter, inshallah. Pour le livre de ce soir, inshallah ta'ala, pour le livre de ce soir, une seconde, Inch'Allah ta'ala. Naam. Il s'appelle, c'est écrit dans la bannière, la personnalité de la musulmane.
Ce qui me plaît en ce livre, c'est qu'il se base sur des hadiths sahih et que le contexte est un contexte salaf. Naam. Et bien sûr, il y a certaines petites fautes, c'est sûr, certains hadiths live, etc. Quand, à chaque fois que j'explique, je le montre. Tayyib, docteur, écrit par docteur Ali Al-Hashimi. C'est écrit toujours dans la bannière. Traduit, c'est écrit ici. Traduit par Abdelkarim Kendous. Traduit par Abdelkarim. J'écris ici Abdelkarim Kendous. Kendous. Traduit par Abdelkarim Kendous. Traduit deuxième édition 2007. Deuxième édition 2007. Je ne sais pas si je peux dire autre chose. Où il a été la parole? Non. Ce livre, l'éditeur, subhanallah, c'est écrit en haut. Salam alaykoum, fi saut. Non, j'ai dit pour l'éditeur, je ne sais pas. C'est écrit quelque chose, je vais l'écrire. Je crois que c'est ça, je ne sais pas. Je vais écrire ce qu'il y a ici. C'est écrit international islamique. Non, international islamic publishing. Hada. Publishing. Hada. Attendez. Non, SH. Voilà ce qui est écrit. C'est ça. Je ne sais pas si ça l'édition ou pas. Il n'y a pas autre chose. Non. Alhamdulillah. Donc c'est ça, alhamdulillah. Tayyib. En ce qui concerne les doulous de la Aqida, en ce qui concerne les doulous de la Aqida, il faudrait que la personne qui donne la Aqida soit connue. Il faudrait qu'elle soit connue parce qu'on ne sait jamais qui c'est cette personne. Qui c'est? Elle peut donner quelque chose de faux et elle-même, elle ne sait pas que c'est faux. Elle peut donner une chose de faux et elle-même peut-être qu'elle ne sait pas que c'est faux. C'est pas obligé qu'elle sache qu'elle est dans l'erreur. Naam. Si tu vas chez le takfiré, il va pas te dire que je suis faux. Il va te dire que c'est les autres qui sont dans le faux. Moi, mashallah, j'aime pas le djihad. Ils sont, comment je peux dire, ce sont des peureux, de ceci, de cela. Naam. Moi, j'aime le djihad, j'aime l'islam. Allah Ta'ala aime que quelqu'un meure, fi sabilillah. Donc, il va croire que c'est lui qui est dans le vrai. C'est pour ça que la sœur Adi devrait dire yani, où elle a étudié ou alors qui lui a donné la tesquilla pour qu'elle fasse. Ça me rappelle une chose. Il y a une sœur ici dans l'internet, une sœur dans l'internet qui fait des cours de Aqida à certaines sœurs. Naam. Cette sœur, elle prend des douros elle-même. Yani, elle-même, elle demande le in chez des ulama, etc. Et elle m'a même invité. Elle m'a même invité à participer, Inch'Allah Ta'ala, à un de ses cours mardi prochain, là, les cours mardi et jeudi, pour, Inch'Allah Ta'ala, donner yani, un aperçu sur son niveau. De toute façon, elle a bien fait d'inviter quelqu'un pour savoir et lui donner, yani, lui dire yani, si elle a le niveau ou elle n'a pas. Si elle a le niveau ou elle n'a pas, car personne ne peut se valoriser lui-même. Personne ne peut dire, moi j'ai le niveau pour faire. Moi j'ai le niveau. Naam. Mais c'est en parlant avec des gens de science que tu sais si tu as le niveau ou tu n'as pas. C'est en parlant avec des gens de science que tu sais si tu as le niveau ou pas. Sinon tout le monde va ouvrir une salle et faire les doulous. C'est dire, moi j'ai le niveau. Naam, j'ai. Mais ce n'est pas comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc, en principe, sauf si on est à la maison, entre nous par exemple, au lieu de laisser le temps passer, on prend le livre et on le lit. On prend un livre, on le lit comme ça, sans expliquer, juste en faisant quelques petites remarques comme ça, pour ne pas laisser le temps passer. Mais de préférence, si on a un dars déjà fait, ou là on a une cassette, on préfère écouter une cassette, ou là plutôt que de prendre la responsabilité de parler dans des choses, alors que peut-être ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas un plus grand péché que de parler dans le din et de parler dans le faux, en croyant qu'on est dans le juste, en croyant qu'on est
dans le juste. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Moumin 84, Fazal. Inch'Allah, la dernière demi-heure. Naam, naam, j'ai dit que je donnerai Inch'Allah ta'ala les cours d'arabe, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Seulement pour l'instant, salama, pour l'instant je suis très occupé. Pour l'instant je suis très très occupé, Inch'Allah ta'ala. Naam, si jamais j'ai du temps, je t'en ferai part, bi'idnillah ta'ala. Naam. Fiki barakallah. Tfadhal, cheikh. Afwan, j'étais en stéréomix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Hayakallah. Je voudrais savoir les conditions entre le contact de ma femme et mes frères de sang dans la maison de mes parents. Barakallahu fik. Et c'est pour prévenir les gens qui n'étaient pas là lorsque le cheikh a fait le dars samedi soir. Les personnes qui perdent leur place ne la récupèrent pas. Voilà, je le dis parce que je reçois des PV. Donc je vous dis que vous ne récupérez pas votre place. Barakallahu fikou. Wa alaykoum salam. Je voudrais, alaykoum salam, wa barakatou. Je voudrais savoir les conditions entre le contact de ma femme avec mes frères de sang dans la maison de mes parents. Naam, dans la maison de tes parents, ta femme doit être avec tes frères comme elle est dans la rue. Naam, si dans la rue, quand elle sort, elle met par exemple le niqab et le sitar, alors avec tes frères, elle doit mettre le niqab et le sitar. Si dans la rue, elle se découvre le visage, alors devant tes frères, elle découvre le visage. Naam. Ce n'est pas interdit de parler au beau-frère. Il lui dire « Salam alaikum » ou là ceci ou là cela. Ce qui est interdit, c'est de rester tête à tête avec lui. En tête à tête. Ou alors, de parler dans des choses. Naam. Ou alors, sachant que mon père n'accepte pas. N'accepte pas quoi? Naam. N'accepte pas quoi le père? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il n'accepte pas? Qu'il se parle? Ah, naam. Alors s'il n'accepte pas, elle doit s'habiller de quelque chose, naam, de quelque chose de vraiment large. Naam, quelque chose de vraiment large et qui ne soit pas quelque chose qui soit collé contre elle, ni quelque chose de fitna. Naam. Pas les jupes serrées, etc. Naam. Quelque chose, djibba, abaya, assez large, naam, assez large, et par exemple de couleur sombre, ni moulant ni transparent, naam, de couleur sombre, naam, et très large, et un long voile, naam, et ne jamais rester en tête à tête avec le frère. Ne jamais rester en tête à tête avec le frère. Elle peut leur parler quand elles ne sont pas en tête à tête, naam, en présence de son mari, et en présence du père de son mari, elle peut leur parler, naam. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Elle parle dans les choses normales. Les choses normales. Elle ne parle pas dans les choses secrètes et intimes. Non, elle parle dans les choses normales. فِي ma'ruf. Non, les choses qu'elle dit devant tout le monde. Non. Et là, non. Pour ceux qui ne savent pas, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Restez avec moi, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Ici, Naam, Fatawa Internet, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. D'ailleurs, comment j'ai appelé ça? Un lien avec l'étranger, tuteur, les rapports. Je vais vivre, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Je vais vous donner quelque chose, je vais vous lire quelque chose ici. Naam. Tayyip, est-ce que vous m'écoutez, Inch'Allah Ta'ala? Écris-moi numéro 1 si vous m'écoutez. Écris-moi numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Question posée à Sheikh Ben Baz Rahimahullah. Question posée à Sheikh Ben Baz Rahimahullah. Est-il permis à la femme de se réunir avec les proches de son mari tout en respectant conformément la sunna? Tout en respectant conformément la sunna. Est-il permis à la femme de se réunir avec les proches de son mari tout en respectant le voile conformément à la sunna? Réponse, il est permis à la femme de se réunir avec ses beaux-frères ou ses cousins ou d'autres membres de sa famille, à condition qu'elle respecte le voile islamique
qui consiste à couvrir le visage, les cheveux et le reste du corps, car elle est entièrement aura, car elle est entièrement aura, nam. Il est permis à la femme de se réunir avec ses beaux-frères ou ses cousins ou d'autres membres de la famille, à condition qu'elle respecte le voile islamique, qui consiste à couvrir le visage, les cheveux et le reste du corps, car elle est entièrement aura. Muslim, est-ce que vous voyez quelque chose ou là vous voyez pas? Est-ce que ça s'affiche ou ça s'affiche pas, Muslim? Naam, alhamdulillah. Tayyib, ensuite, il a dit, naam, naam, voilà la suite, inshallah ta'ala, j'ai pas terminé. Car elle est entièrement awra, ce qu'il convient de couvrir pour éviter toute tentation. Et peut-être une tentation pour les autres. Il faut en outre qu'il n'y ait aucune suspicion dans cette assemblée et qu'il n'y ait pas d'isolement de la femme avec l'un des hommes. Naam. Ensuite, il a dit, pour terminer, il a dit, Allah yirhamou. En revanche, les réunions qui comportent des isolements tête à tête ou bien qui peuvent conduire à accuser la femme d'un quelconque mal ne sont pas permises. De même que les assemblées où l'on se réunit pour écouter des chansons, de la musique, etc. Allah Ta'ala est le seul garant. Bi-idhnillah Azza wa Jal. Naam. Donc je vais vous donner la page, etc. Je ne sais pas si ça va s'afficher, je ne sais pas. Naam. Fais-toi de Sheikh Ben Bez, fais-toi le Mar'a. Fais-toi page 157, 158. Naam. Alhamdulillah. On passe, inshallah ta'ala, à une autre question. Biki barakallah. Al-akhi Ismail, tafadhal, hayakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, avant de poser la question, je voudrais tout d'abord savoir s'il y a du son. S'il y a du son, Inch'Allah, cher, avec ton autorisation, je voudrais bien faire une mise en garde pour tous ceux qui sont nouveaux sur le Pal Talk de ne pas aller dans des rooms du genre Ansar Tawhid ou du genre Zéro Tawhid Zéro. Ce sont des rooms Tekfiri. Je voudrais quand même en room avant de poser la question. Mettre en garde contre ces rooms et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les takfiri, ce sont simplement des gens qui jugent comme ça, qui jugent que tout le monde il est kafir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est quand un musulman traite son frère de musulman, et bien le kufr il peut se retourner contre soi-même. Et je voudrais citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que pendant une bataille, lorsqu'il y avait un Quraysh qui avait fait la Shahada, il avait un compagnon qui malgré cela l'a tué. Et alors, quand le prophète il a appris ça, il a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Alors le compagnon il a dit, ouais, mais celui-là il a Shahada parce qu'il a eu peur. Et le prophète il a dit, ah ouais, tu... Et qui es-tu pour dire dans les cœurs? Ce qui veut dire que Allah Ta'ala, il a bien fait comprendre que celui qui fait la shahad et qui fait la prière et tout, il est musulman. Tayyib al-Muhim. Donc, cher, maintenant je vais te poser ma question suite à ce que tu as dit tantôt au sujet de la mixité et tout ça, que l'homme il serre la main à la femme. Justement, parlant de cela, j'ai eu l'occasion une fois d'aller avec un frère à Montbeuge pour écouter un truc de Tariq Ramadan, une conférence de Tariq Ramadan, dans lequel il a dit que celui qui prétend que la mixité est interdite, celui-là c'est un hypocrite. Cher, je voudrais bien savoir quel est ton avis à ce sujet. Et que peux-tu nous dire à propos de Tariq Ramadan? C'est ce que je voudrais savoir. Barakallahu fik, à vous le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismaïl, je crois que Ismaïl, si tu es là, écris numéro 1. Ismaïl, est-ce que tu es là, écris numéro 1.
parce que j'ai cru voir que tu avais quitté la salle. Wallahu ta'ala alam. Non, donc si tu n'es pas là, j'attends que tu reviennes pour répondre, inshallah ta'ala. Si tu es là, écrit numéro 1, bi'idhnillahi azza wa jal. Il est en bas. Subhanallah al-Azim. Non, il est là, ça. D'accord. Parce que je l'avais perdu. Subhanallah, qui l'a fait descendre, je ne sais pas. Al-Muhim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En ce qui concerne Tariq Ramadani ou la Tariq Ramadan, là je ne sais pas bien comment il s'appelle. Je te résume en deux mots. Je te résume en deux mots que c'est quelqu'un qui n'est pas salafi. Quelqu'un qui n'est pas salafi ne perd pas ton temps avec lui. Je vous dis à tous qui m'écoutez, tous et toutes, ne perdez pas votre temps. Non seulement vous n'allez pas apprendre, mais encore vous allez être égaré. Voilà. Non seulement tu ne vas pas apprendre, mais au moins si je n'apprenais pas, je resterai comme ça, yani naturel. Non, je ne vais pas rester naturel. Je vais m'égarer. Et toi, Ousbek Nathan, alhamdoulillah, te réveille. Non, tu avais eu des moments où yani, tu es comme mon fils, tu n'étais pas loin de rentrer dans le takfir. Allah Ta'ala t'a aimé, t'a guidé, t'a ouvert les yeux. Et alhamdoulillah, maintenant, tu vois la vérité devant toi. Et tu sais que la salle la plus dangereuse, c'est la salle des takfirs, dans le paltok. La salle la plus dangereuse et la plus haïe par Allah Ta'ala, c'est la salle de takfir. Naam. Et que le takfiriyoun, naam, le mal qu'ils font à l'islam est beaucoup plus grand que le mal que les Américains et les Juifs font à l'islam. Car les takfiriyoun incitent les Juifs et les Américains à frapper l'islam. Naam. Ils les incitent et ils font fuir les musulmans du din. À chaque fois qu'une personne fait rentrer une personne dans le din, comme dans le hadith Bukhari, hadith de Ali, c'est mieux que toute la dunya. Si tu pouvais faire rentrer une personne dans le din, chez Allah, c'est mieux que Y, le roi qui a toute la dunya. Et le contraire est vrai. Si tu fais fuir quelqu'un du din, subhanallah al-azim, c'est l'un des plus grands péchés de l'islam, que tu fasses fuir quelqu'un du din. Tout cela, pourquoi ils disent? Parce que X ne juge pas avec l'islam. Et ou déjugez-vous-même avec l'islam. Commencez à juger vous avec l'islam, après on va parler des autres. Commencez à juger vous les takfirions. Commencez à juger avec l'islam, vous, ensuite parler des autres. Il n'y a pas plus grand péché que quelqu'un qui dise on est au moment du djihad et il ne part pas au djihad. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. La femme va au djihad. Elle aide là-bas. Les Ousmane, ceux qui se blessent, etc., les aident, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui dit on est au temps du djihad, il ne part pas, c'est très grave pour elle demain, le jour de la résurrection. Oh, vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites c'est le djihad et il faut partir au djihad et ceci, cela, et vous n'y allez pas? Quelqu'un m'a dit, je jure par Allah, j'ai dit à un takfiri, je te paye l'avion et va au djihad. Il a dit, je pars pas. Je jure, je te donne le billet d'avion. Va au djihad, va en Irak, va en Palestine. Il n'y va pas. Laisse-moi seulement derrière le PC, enfler les gens, les remplir, mais je ne pars pas au djihad. Je parle seulement. Naam. Al-Muhim. Tout cela, j'ai dit qu'il commence d'abord à expliquer l'islam. Ensuite, supposons, et akhlas, supposons que tout le monde est kafir. A'oudou billah. A'oudou billah, tout le monde est kafir. Ikhlas, on est d'accord que tout le monde est kafir, tout le monde est kafir, même les sahaba, tout le monde, tout le monde est kafir. Mais apprenez-moi l'islam. Est-ce qu'on va parler du taghout pendant des années? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 23 ans à parler du taghout? Il n'a pas parlé de la aqida, pas parlé du fiqh, sirah, ceci, cela, on ne parle pas de cela. On parle seulement de quoi? Du taghout. Ikhlas, le taghout, tout le monde est taghout. Et parlons maintenant de la aqida. Parlons de la sunna, parlons de la salat, parlons de la zakat, parlons du zawaj, parlons du talaq, parlons du commerce. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas, subhanallah, il n'y a pas l'islam. Qui ne juge pas avec l'islam est mécréant. Qui ne juge pas avec l'islam est mécréant. Autant de l'imam Ahmed, en son temps, le gouverneur l'a obligé
Ahmed, il l'a obligé à ce qu'il dise le Coran est créé. Il dit, il faut que tu dises. Et quiconque dit le Coran est créé, il est devenu kafir. La parole d'Allah. La parole d'Allah est créée. Donc Allah Ta'ala a quelque chose créé en lui. Naam. Et il n'a pas dit, bien sûr, il n'a pas dit, il a résisté, on l'a frappé, on l'a fouetté. Mais, les gens lui ont dit, puisqu'il dit, le gouverneur a dit cette chose, donc il est kafir. Donc, est-ce qu'il est kafir? On va lui faire la guerre ou là? Il a dit, des mains, attention le sang, attention. Ne faites pas couler le sang musulman. Pourquoi? Parce que le ma'moun, quand il a dit, il est kafir, il ne sait pas, il a entendu les ulamas, les mu'tazilites qui étaient avec lui, ils lui ont dit qu'il faut dire que le Coran a été créé. Et Ahmed, et il est dans le faux. Il ne veut pas dire qu'il est créé. Il faut donc l'éprouver, l'emprisonner, le frapper pour qu'il dise. Vous voyez, des fois, le gouverneur lui-même, il a des choubouhettes, il ne sait pas. Il a des choubouhettes. Naam. Dites-moi, sans oublier. Al-Hajjaj ibn Youssef. Al-Hajjaj. Qui coulait le sang des musulmans. Est-ce qu'il a appliqué l'islam? Il a jugé avec l'islam? Est-ce que vous connaissez un des ulamas qui a dit que le Hajjaj ibn Youssef est kafir? Est-ce que le Hajjaj ibn Youssef est kafir? Dites-moi, vous savez ce qu'a fait le Hajjaj ibn Youssef? Si vous ne savez pas, rentrez dans Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani. Vous trouverez que le Hajjaj ibn Youssef a tué 124 000. Qui? 124 000 qui? 124 000 soulards. 124 000 entre les Sahaba et les Tabi'in. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, et les grands Tabi'in et les grands Sahaba. Combien qu'il a tué? 124 000. Dites-moi, barakallahu fikum, est-ce que quelqu'un qui tue 124 000 des Sahaba et des Tabi'in, celui-là, il a jugé avec l'islam? Sûrement pas. Ça, où est l'islam? Sûrement pas. Eh bien, on s'entend. Abdullah ibn Omar, le sahabi, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith, il est dans le Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramené, il a groupé ses enfants. Il leur a dit, mes enfants, venez, on va faire l'allégeance. Je fais l'allégeance que moi et mes enfants, que on ne désobéit pas Al-Hajjaj ibn Youssef. Alors, ce que Al-Hajjaj ibn Youssef, c'est qui? L'un des plus grands assassins qu'a connu l'histoire de l'islam. Il a tué 124 000. Et personne n'a dit de lui, il est kafir. Est-ce qu'il a jugé avec l'islam, celui-là, en tuant 124 000? C'est Allah Ta'ala qui lui a dit ça dans le Coran. Mais les takfiriyoun croient que juger avec l'islam, c'est seulement, yani, couper les mains et lapider. Si tu fais ça, tu es musulman. Khlas. Si tu fais pas, tu es kafir. A'udhu billah. A'udhu billah. Shaitan rajim. Je lance, comment ça s'appelle ça? Une mise en garde. Et je dis à mes frères et mes soeurs qui sont dans ma salle que la plus grande faute que vous ferez dans le paltok, c'est en rentrant dans les salles de takfir. Comme la salle de Tawhid 00, je ne sais pas, je ne la connais pas, on vient de me le dire, la salle de Ansar Tawhid. Ansar, c'est en français allié, alors que ce sont les ennemis du Tawhid, la salle de Salah 19. Une salle très 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 dangereuse. Quiconque rentre, il prend le virus. Parce que on va lui parler avec les versets. Et lui, il n'a pas le vaccin, il va dire, subhanallah, ils ne peuvent pas se tromper, ils ont dit, Allah a dit, le prophète a dit. Naam. Allah a dit, le prophète a dit. Moi, je vais te donner un verset qui dit que celui qui fait la prière va aller en enfer. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ. Et je m'arrête là. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ. Il y a un châtiment en enfer pour les musallines, pour ceux qui font la salat. Et je ne continue pas le verset. Je ne dis pas, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Je ne dis pas, les musallines, ceux qui ne font pas la prière à l'heure. Je me tais. Je me dis, il y a un châtiment pour ceux qui font la salat. Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran. Naam. Mais si je connaissais qu'il y a la fin de la sourate, la fin du verset, je peux répondre, je peux dire, hey, attention, ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit la fin. Et comme ça, naam. Quiconque va dans leur salle, qui ne vient pas après pleurer et dire, aidez-moi, hein, comme beaucoup de personnes viennent me voir, en train de pleurer, aidez-moi, Echir, j'ai le virus. Mais moi, je t'avais dit auparavant, n'y va pas. N'y va pas, tu vas sortir
avec plein d'ambiguïté. Tu n'as pas le vaccin. Et ensuite, tu n'apprends rien. Si ça ne fait rien, tu disais, ma'alech, tout le monde est kafir, mais apprenez-moi le din. Je reste avec vous. On n'apprend pas, c'est ça le mouchkila. El-Mohim, je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps ici, car il ne reste qu'un peu de temps. Je passe directement au Meysen. Tafadlali. Assalamu alaikum. Voilà, j'ai eu une fille et nous avons fait Hakika avec un mouton. Dans notre région, il n'est pas posé demander au boucher de commander un mouton chez un frère qui vend en gros. Je lui ai donné le prénom de ma fille, mais malheureusement, celui-ci a oublié de donner le nom de ma fille. Donc le mouton a été égorgé sans que le nom de ma fille soit mentionné. J'ai appris cela une semaine après avoir fait notre hakika. Que dois-je faire? Dois-je refaire la hakika? Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Tayyib. C'est pas ça la réponse, ça, c'est ça ce qu'a écrit Ismaël. En tout cas, je conseille aux frères. Naam. Tayyib, ce n'est pas sorti ici. Une seconde, hein, parce que ça ne s'est pas affiché. Une seconde. Subhanallah, radi. Voilà, Ismaël, Inch'Allah Ta'ala, tu dises pas que j'ai pas affiché. En tout cas, je te conseille, et je conseille aux frères et sœurs de ne pas aller dans cette room, Tawhid, parce que l'admin, il est pire que Salah. Celui-là, il m'a kaffar moi aussi, alors qu'il ne me connaît pas. Naam. Tout le monde est kaffar, sauf lui. Naam. Sauf l'admin n'est pas kaffar. C'est ça la règle. El Mouhim, pour la haqiqa, elle est juste, Inch'Allah Ta'ala, tu ne refais pas la haqiqa. Ce n'est pas une condition de dire, non, ce n'est pas une condition de dire que c'est pour X et citer le prénom, non, ce n'est pas une condition. La haqiqa, inshallah ta'ala, est juste et Allah ta'ala n'y taqabbal. Allah ta'ala n'y taqabbal. Non, Saïd 95, tafadlal. Assalamu alaikum. Donc je voulais savoir si dans le adhan, on a le droit d'allonger les A comme l'adhan de Médine, Mecca, qui prolonge beaucoup les mots pour qu'ils soient beaux, ou faut-il qu'ils soient simples avec tajwid? Barakallahu fik pour le temps que tu nous donnes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Plus le adhan est simple, plus il est près de la sunna. Plus le adhan est simple, et plus il est beaucoup proche de la sunna, et beaucoup plus enclin à être accepté. En islam, il n'est pas permis dans le adhan de faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, de dire par exemple comme ça, l'écho hada, naam, pour quelqu'un qui a une belle voix, ça paraît bien sûr plus beau, etc. Mais ce n'est pas permis, ça s'appelle l'an fil adhan. Plus le adhan est simple, si on a une belle voix, plus c'est le vrai adhan qu'Allah Ta'ala aime. Ensuite, il ne faut pas être comme la masse des gens qui dit, s'ils cherchent un dalil, ils te disent pourquoi à la Mecque on fait cela. Pourquoi j'ai été à la Mecque, j'ai vu ceci, cela. Pourquoi vous dites il faut pas faire la prière dans une mosquée où il y a une tombe, alors qu'à Médine, il y a la tombe du prophète, alayhi salatu salam, à l'intérieur de Médine. Et pourquoi vous dites il faut pas décorer les mosquées, alors qu'à Médine, toute la mosquée est presque en or ou je ne sais pas quoi. Faut pas faire comme les gens de la masse qui n'ont pas d'ilm et qui disent on a vu à la Mecque et on a vu à Médine, alors c'est un délit. Non, ça, ce n'est pas un délit. Allah Ta'ala a dit, « وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا النِّفَقِ » Allah Ta'ala a dit, il y a des gens de Médine qui sont des hypocrites. Non, partout, on trouve des hypocrites, que ce soit à Médine, que ce soit à New York. Non, je ne veux pas dire, pour que vous compreniez mal, que je veux dire qu'il y a... Ceux qui sont à Médine sont des hypocrites. Non, je veux dire que ce n'est pas un délit. Yani, toute ville contient quoi? Contient des gens qui sont bien et des gens qui ne sont pas bien. Le délit, c'est dans le Coran, la Sunna et les ulama, ce qu'on dit d'après la compréhension des selfs. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Atfadl le prochain, inshallah. Ummu Muhammad. Moi, je ne sais pas quoi.
Mohamed Younes. Assalamu alaikum ya Cheikh. Qu'Allah vous préserve, Amin. On va avoir d'enfants et autre chose. Un frère peut-il tailler sa barbe dans le but d'en prendre soin et a priori, le frère est souvent assimilé à un juif à cause de la manière dont elle a poussé naturellement. Inch'Allah, Cheikh va répondre à une question sur les deux, au choix. On m'a demandé si haram ne pas vouloir d'enfants. Naam, on se marie, l'un des buts du mariage, c'est d'avoir des enfants. L'un des buts du mariage, le mariage a plusieurs buts, se préserver, etc. L'un des buts, c'est d'avoir des enfants pour augmenter, multiplier le nombre des musulmans et le jour du jugement dernier, faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il voit que sa nation est beaucoup plus grande que la nation des autres prophètes. Naam. Donc, il n'est pas permis de dire que je veux marier, mais je ne veux pas avoir d'enfants. Mais il est permis quoi ? D'organiser les enfants, faire des espacements de naissance. Ceci est permis. Mais ne pas les avoir du tout n'est pas permis. Non. Quant à la barbe, si elle dépasse, quand on la prend comme ça avec la main, elle dépasse par en bas, ce n'est pas interdit, inshallah ta'ala, de couper ce qui dépasse de la main. Non. Que ce soit pour le hajj ou que ce soit pas. Non. Mais si elle ne dépasse pas, de préférence, on la laisse comme elle l'a. Et si tu es un juif par rapport aux gens, par rapport à Allah ta'ala, tu es un ange, tu n'es pas un juif. Il faut voir, naam, et il faut que notre système de valeurs soit puisé du Coran et de la Sunna, et non pas des gens. Naam, pour les gens, la femme qui met le djilbab, c'est une folle, ou là c'est une tante qui marche, ou là c'est un je ne sais pas quoi. Et pour eux, celui qui porte la barbe, c'est une brebis, c'est un mouton, c'est un gorille, c'est tout ce qu'ils veulent. L'essentiel quoi ? Allah est ravi de moi. Allah est ravi de moi. Demain, inshallah ta'ala, je te ferai rappeler quand je serai assis sur les grands fauteuils dans le paradis, je viendrai jeter un coup d'œil chez toi en enfer. Et je te rappellerai ce que tu riais de moi et je te dirai qu'est-ce que tu as gagné maintenant. Pleure du sang si tu veux. Naam, tu te moquais de moi et faisait des clins d'œil et disait ceci, cela. Tout cela existe dans le Coran, ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, pleure du sang. Moi, je suis dans le paradis avec mes parents, mes amis et les femmes du paradis. Et toi, reste là en train de pleurer pour avoir ri et fait le clown dans la vie. Naam. Donc, il ne faut pas donner d'importance à cela. Fais ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire. Il te fera triompher dans cette vie et dans l'au-delà. Naam. Quant à ce que les gens disent de toi, ce sont des épreuves. Toi, tu veux rentrer au paradis, on te jette des fleurs, et on t'étale un tapis, et on va t'arroser de parfum. Non. Il y a des épines, naam. Il y a des vers, il y a des problèmes, il y a des mashakils qui t'attendent. Naam. Il y a le djihad qui t'attend. Naam. Maintenant, si tu patientes, tu endures, il y a le paradis qui t'attend. C'est comme ça. Jannah huffat bimada bin makareh wa jahannam huffat bishahawat. Le paradis est entouré de problèmes, de choses qu'on déteste, et jahannam est entouré de quoi ? Est entouré de plaisirs et de tentations et de passions. Vous ne remarquez pas que pour aller à jahannam, c'est très facile. Vous savez ça. Il y a des gens dans la salle qui veulent aller à jahannam. C'est très facile, là. Il insulte Allah, khalas. Il est à Jahannam. Il jette le Coran, il est à Jahannam. Il insulte le prophète, khalas. Il est à Jahannam. C'est très facile. Mais pour aller au paradis, c'est difficile. Naam, il faut prouver pour que Allah Ta'ala sache quels sont les véridiques, quels sont les menteurs. Tout le monde dit, moi je vais être au paradis premier. Mais où est la preuve? Allah Ta'ala va te tester, va t'éprouver. Les gens vont parler de toi, les gens vont rire de toi, les gens vont te frapper, les gens vont
risque de t'emprisonner même. Les gens vont te faire sortir de ton pays, t'expulser. Et on va voir si tu patientes. Tu patientes, c'est le paradis qui t'attend, inshallah ta'ala. Non, je préfère, inshallah ta'ala, m'arrêter ici. Je vous rencontrerai après demain, inshallah ta'ala, dans le dars de la aqida. Apprenez la aqida si vous voulez rencontrer Allah ta'ala, ravi de vous. Non, j'ai une autorisation à vous demander concernant les gens. Vous pouvez mourir, votre fils par le clof. Non, Ibn al-Qayyim, il faudrait d'abord que je sache où tu es. Non, car c'est difficile de te trouver, inshallah ta'ala. Est-ce que tu peux, inshallah ta'ala, lever la main, Ibn al-Qayyim? Est-ce que tu peux lever la main, pardon, inshallah ta'ala? Non. Pour que je sache où tu es. Je suis le premier. Masha'Allah, je ne vois pas. Je vois Oum Mohamed et Yassine. Non, je ne te vois pas. En dessous, c'est-à-dire le dernier, tu veux dire. Le dernier. C'est-à-dire le dernier, chez moi, c'est Muslimina. Non, c'est Muslimina. Ensuite, Oum Ouais. Non, je ne vois pas toi où tu es. Moumine 84, Omar, Samir Salaf, juste en dessous de Muslimina. Non, chez moi, il n'y a pas. Il y a Muslimina, en dessous d'elle, il y a Moumine, Moumine 84, Saïd 95, Hanout Al-Qalam, Firqa Al-Najiya, Aïcha. Non, il n'y a pas Ibn Qayyim. Je te dis, on n'a pas la même lahara. Ah, maintenant je te vois, Ibn Qayyim. Non, maintenant je te vois, Inch'Allah Ta'ala. Taïf, tafadhal. Tu as ton PV qui est fermé, Ibn al-Qayyim. Tu as ton PV qui est fermé. Tu ne peux pas te parler, Inch'Allah Ta'ala. Non, tu as le PV qui est fermé. Tayyib, attends, Inch'Allah Ta'ala. Atfadlal, c'est quoi, Inch'Allah Ta'ala? À n'importe quelle heure, Naam, Ibn al-Qayyim, regarde l'heure qui te plaît, Inch'Allah Ta'ala, rediffuse. Regarde l'heure qui te plaît, Inch'Allah Ta'ala, et rediffuse. Je n'ai pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Pour les autres, je dis, subhanak, la mou bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum.